un take-off, un preset, et une autre check. Informe pas de temps de bon temps, il y a le 0 et coché, attendez. Et à mon corps de... Oh, c'est une montagne de l'avion, enfin, attends, en France, en 2 ans. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Nouveau générique, 0K l'a vu, il l'a bien vu. Ravi de vous retrouver les amis après cette période estivale. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de remerciements à faire et notamment à Jérémy Dreamercaster qui vient de offrir 5 abonnements à la communauté. Bienvenue à Germain Lévis de Poxscience, on en parlera dans quelques instants, superbe générique. Merci les amis, vous avez vu, on a travaillé un peu durant cet été et d'ailleurs on devait avoir Nicolas qui devait... Ah ben le voilà, il arrive. Voilà, il arrive de Miami. Je rentre de vacances. Donc, ça va Nico ? Ouais, je suis soufflé. Le temps de débarquer et d'arriver, c'est sûr que... L'avion, il est arrivé par la route. Ouais, c'est pour ça. Mais regarde, tout le monde t'attendait puisqu'on a eu une vague d'abonnements qui était assez extraordinaire. On est déjà au niveau 3 du train de l'hype. Merci à vous pour le soutien, les copains, ça fait plaisir. Salut à Dev Jeanlin, salut à MMG7F qu'on a vu juste avant. Jordan est là, il y a toute l'équipe modération. Hein. On a Natabouille, on a... qu'est-ce qu'on a? On a Free Flight, évidemment, Eric. On a Joe Brabble, on a Julo. Bon, tout le monde est là. Tout le monde est là. Pas Colombo? Non, pas encore. Ah, tu vois. Pas encore. Pogfly, top les gars, sacré Nico. Ah bah voilà. Oui, mais Colombo il aurait deviné que je faisais semblant parce qu'il y avait déjà mon coca et mon téléphone. C'est ça, et il aurait dit à sa femme d'ailleurs. Bon, des Colombo, les amis. En tout cas on est ravis de vous retrouver, et salut Ben Moll, bonsoir Ben Moll, bienvenue dans la zone aéro, premier message sur le chat, bienvenue. On est ravis hein, parce que c'est vrai que la dernière émission il y avait du monde. Voilà. On était autour d'une paella et ça s'était bien passé. Dernière saison là, c'était sympa. C'était cool. On en aura des pareils. On devra en avoir des pareils, on va en parler dans un instant. Ça faisait longtemps, vous êtes bronzés les gars. Sympa, le nouveau générique et la présentation. Bah écoutez, oui, on a travaillé, on fait avancer la zone aéro. Plaisir de vous retrouver, bah nous aussi, plaisir de vous retrouver. Je suis dans le vaisseau. Et tu peux. Regardez Striptease de Nico pour la première. C'est pas beau. Alors, ça, les amis? Je suis déguisé en quoi d'abord? On va demander en quoi je suis déguisé. Ouais, vous pouvez répondre sur le chat. Et si vous vous abonnez pour 6 mois, c'est moins 30%, nous dit MMG7F. Ah bon? Ok. Bon, voilà, la promo est lancée. Écoutez, les copains, c'est vrai qu'on était un petit peu à la bourre, le temps de lancer tout ça. Merci, 0K, qui offre un abonnement à Starway. Et j'ai un nouveau 356. Alors, les gars, on va mettre des comètes là-dedans. Et il faudra viser le verre. Ah, regarde. Voilà, normalement ça a dû revenir là. C'est bon là? Vous nous confirmez que c'est Nico ok? Nico a marché sur un câble, ben non. Oui, ben ok, non. C'est bon. Ah bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est sur la petite table de mix. C'est pas, on teste, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez. Alors si, on va vous montrer, tiens. Donc il y a la caméra ici que vous connaissez d'habitude. On a évidemment celle-ci, qui est logiquement là. Hop, voilà. Non, elle est là ou pas? Ah oui, non, elle est ici. Voilà, là il y a celle-là que vous connaissez. Celle-là, elle est connue, c'est celle qu'on utilise d'habitude. Mais on en a une nouvelle, et cette nouvelle, elle va être dédiée pour recevoir les invités, elle est là-bas. Et voilà. C'est celle-là. Ça, donc c'est la là, nouvelle on aura qui fait disparaître Nico. Une nouvelle caméra qui va faire des zooms automatiques, et là, celle-là, c'est vrai qu'elle fait disparaître Nico. Attends. Donc, voilà, on a mis des petits plats dans les grands, vous avez vu, il y a aussi un nouvel habillage, on a changé les logos un petit peu, on a mis les nouveaux panneaux,
Parce qu'avant, c'est vrai que c'était les. Tu sais, le. Les machins qui le FSD, trucs. Là, voilà. Ouais. Le FMS. Et le aujourd'hui, FMS. On a changé, on a mis un panneau un peu plus aéroport, voilà. Et puis, on a changé aussi tout l'habillage, tout le visuel. Bon, bref, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de l'émission. On va parler justement des nouveautés de la rentrée de la zone aéro dans un instant. On a, comme d'habitude, le même type de rubrique. Et on vous propose tout de suite de bien démarrer les choses, puisque le train de la hype est terminé. Il y a 9 abonnements, merci à vous. On va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission. C'est parti. Voilà, vous avez vu, maintenant c'est des vidéos. C'est plus comme c'était une même photo qu'avant. Ah bon ? Je m'attendais pas à cette musique là, mais bon. Elle est sympathique, elle est surprise. Ouais. Alors pourquoi ils veulent mettre de la pub absolument, Twitch ? Maintenant ils vont nous mettre de la pub toutes les 5 minutes. Alors, le plan de vol, on va. Normalement, on l'affiche comme ça. Voilà. Hop ! Voilà. Mais on ne va pas l'afficher plus que ça, parce qu'en plus, je crois que ce n'est pas le bon. Non, ce n'est pas le bon. Donc voilà, il est là. On l'affiche dès la semaine prochaine. Mais vous voyez, ça sera sous forme de checklist et ça apparaîtra sur le côté. Voilà. Pour l'émission de ce soir, on ne va pas changer du grand-chose. D'ailleurs, que le sujet dont on va parler ce soir, vous le connaissez. On en a déjà discuté un peu avec Cédric. C'était le sujet sur les réacteurs. Les turbines, moteurs, oui. On avait eu un souci sur l'enregistrement et l'encodage de la vidéo, du coup on refait, parce que c'est vrai que même en diffusion ça saccadait, c'était pas top, donc on a décidé avec Cédric conjointement de le refaire, et c'est le programme de ce soir pour bien redémarrer. Alors, le plan de vol, c'est l'actualité du terminal dans un instant, c'est le sujet sur les réacteurs et les turbines, et puis évidemment ça va être la découverte du programme de ce mois d'octobre qui arrive. Voilà, sachez que on fera un petit point à la fin. Le programme, il est déjà bien plein, bien plus d'ailleurs que l'année dernière. Oui, ce sera l'avant arrière avant l'atterrissage. Exactement. Voilà. Donc tout de suite, on débute avec l'actualité du terminal. Voilà. Il y a du monde qui regarde la zone. Il y a du monde. Alors d'ailleurs, on va changer de caméra. Toc, on va se mettre ici. Ouais. Voilà. L'actualité du terminal. Alors si, à quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire, évidemment, puisqu'on ne peut pas forcément voir tous les réglages qu'on a faits. Donc n'hésitez pas à nous prévenir sur le chat s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal. On peut faire une checklist. Tu veux faire une checklist ? Est-ce que l'image, ça va ? Ouais. Est-ce que le son de nous deux, ça va ? Je suppose. Eh bien, oui. Ben, ils nous entendent pas, ils ne nous entendent pas, ils ne nous répondent pas. si. Voilà, oui, Jérémy nous dit oui. Ok, allez, c'est parti. C'est parti, la news. Vous nous voyez dans le haut, all clear, donc tout est bon. Alors, quelques nouveautés de la rentrée de la zone aéro. Vous le verrez également défiler dans les textes du chat. C'est donc la refonte de l'identité visuelle de la zone aéro jusqu'au logo. Vous n'avez peut-être pas fait gaffe. Et d'ailleurs, même des gens bien initiés n'ont pas vu que le logo n'est plus le même. Maintenant, le logo s'appelle la zone aéro, alors qu'avant, c'était aérozone. Donc là, maintenant, voilà, c'est officiel. Le nouveau logo, la zone aéro, est lancé. Bonjour le CAF, première fois sur le chat, bienvenue. Si, en bas à droite, en bas à droite, oui, ça, c'est le petit panneau. Voilà. Du nouveau matériel, de nouveaux investissements techniques pour améliorer encore la qualité, on a parlé. On a des micros maintenant, on a deux sets de micros, ça nous fait 5 micros HF pour pouvoir recevoir des gens. Les avions en métal là, sont nettoyés. Voilà, ils sont nettoyés. Et puis, alors vous avez peut-être vu sur le générique, et vous le verrez aussi défiler dans le chat, nous ne sommes pas peu fiers de rejoindre un collectif de streamers qui s'appelle PogScience. On l'a annoncé sur les réseaux et ça y est, c'est officiel et c'est la première émission sous le collectif, entre guillemets, PogScience. Alors PogScience, c'est quoi ? C'est un collectif de streamers qui œuvre d'un point de vue global pour la vulgarisation scientifique sur Internet et spécifiquement sur les streams. Donc il y a tout plein de streamers et salut Martin, Jumpsuit. Salut Jumpsuit, Caramba encore raté. Quoi, comment ça? Ah oui, il ne doit pas y avoir la commande. Alors, Jordan, si tu peux t'occuper de la commande, il devrait y avoir un texte automatisé PogScience qui devra apparaître dans le chat. Il y a un timer. Donc, je disais, PogScience œuvre pour la vulgarisation scientifique sur le net, notamment en vidéo, en streaming. L'union fait la force.
on a coutume de dire, et tout simplement parce qu'on va pouvoir, avec des streamers de PokerScience, mutualiser les sujets et vous proposer des contenus encore plus enrichis entre les streamers du collectif, nous en termes d'aéro, on va dire, d'aviation, mais il y en a aussi plein. Il y a de l'actualité sur de l'espace, il y a de la vidéo, il y a enfin de la vidéo. Et on va mettre des commentaires. Non mais regarde, 5 abonnements offerts par Jumpsite. Merci Martin, merci à vous les amis. Merci beaucoup. Merci Jumpsite pour les 5 abonnements offerts à la communauté. Faut viser le vert, remettre des cavettes et puis faut viser ton vert. Faut viser le vert, ouais. Bon, en tout cas, ça active la manche à air, ça fonctionne bien. Ah. C'est cool. Donc voilà. Donc les sciences, ouais, très bien. Vulgarisation des sciences, il y a plein de choses. Voilà. Donc si vous voyez les collectifs du POC Science, et salut Crampot, la communauté de la simulation est là, bienvenue. Ouais. Donc voilà, POC Science, on fera des choses avec les streamers de POC Science et on vous invite vivement à aller découvrir tous ces streamers parce qu'il y a vraiment du programme de qualité. Et enfin, dernière petite chose, c'est CCC, la boutique de la zone aéro, on en avait parlé, on avait fait des petits trucs jusqu'à présent et là, on est en train de passer sur un autre format. La boutique sera bientôt ouverte, on est en cours de finalisation et tous les bénéfices qui seront faits sur les t-shirts, ce genre de choses, iront directement à la réalisation de l'émission. Voilà, ça, il faut que ce soit dit. Et enfin, concernant le planning de la zone aéro, eh bien, écoutez, on est plein, si on peut dire, jusqu'à mi-décembre. Mi-décembre. Voilà, donc octobre, c'est fait, novembre, c'est fait, et on est à mi-décembre. Et on a encore des contacts qui vont arriver. Donc, on est plutôt content des contenus diversifiés qu'on va vous proposer. On aura beaucoup d'invités en visio, ici dans le studio, comme d'habitude. Donc, on va vous tenir au courant de tous les gens qui vont passer. Voilà, on enchaîne sur la première actu du jour avec, vous avez vu, un DA40. Ouais, un gros Diamond DA40. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Diamond DA40? Vous voyez qu'il est nomenclaturé, on peut dire ça, ou estampillé, aux couleurs de KLM Flight Academy. Donc, c'est les nouveaux avions de ligne KLM. Ouais, on ne tient pas beaucoup dedans. Je suis pas sûr. Non, en réalité, KLM Flight Academy, donc l'école de pilotage qui forme les cadets de chez KLM, a commandé 12 Diamond DA40, c'est-à-dire ceux qui sont en photo, en remplacement de sa flotte actuelle de monomoteurs vieillissants. Ils sont composés de TB10 et TB1. Il n'y a plus beaucoup d'écoles qui les exploitent parce que c'est vrai que c'est trop cher. Donc, ils sont passés sur du DA40. L'école renforce sa flotte également de multimoteurs avec l'achat de 2 bimoteurs Diamond DA42. Il faut savoir que ces avions tournent au jet A1, donc ils sont beaucoup plus économiques que les TB10 ou les TB20. Hein. Des avions que tu connais. Oui, qu'on connaît d'ailleurs. Bien, ouais. Voilà. Là, par contre, le moteur, c'est motorisé par quoi là? Parce qu'en fait, les DA40. En fait. Pas un double menton comme ça là. C'est peut-être donc, les tillers ou peut-être une nouvelle motorisation à voir. Oui. Donc les DA40 sont plus silencieux, plus économes en carburant. Et doté des derniers développements technologiques, indique la direction de l'école. Cette école de pilotage, donc KLM Flight Academy, a l'ambition de faire voler sa flotte de monomoteurs entièrement à l'électricité d'ici quelques années. Hein, on rappelle que d'ailleurs, Diamond est en train de travailler sur un prototype de DA40 électrique. On va voir ce que ça donne. Et donc, chaque année, l'école de pilotage de KLM forme environ 60 cadets pour sa compagnie, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Eh ben, vous voyez, Jordan qui vient de créer la commande pour POC Science. Super, nickel. Crampot, merci beaucoup. 4e mois d'abonnement. Merci à toi. Voilà, il y a le bar qui clignote, vous ne le voyez pas. Enfin, si, on le voit un petit peu là. Eh, ça va me faire une coiffure avec le vent. Ouais, là, t'es en train de prendre le vent. Merci les amis pour les abonnements, ça fait plaisir. Ça va me faire une coiffure à la Donald Trump. C'est ça. Allez, on continue avec un sujet sur les Canadairs, les amis. C'est l'Espagne. Vous reconnaissez peut-être les couleurs espagnoles du Canadair. Donc l'Espagne, qui disposait de 6 Canadair, se sépare de ses CL-215. Elle en avait déjà un certain nombre. Les 215, ce sont ceux avec les moteurs en étoile. Oui, c'était les moteurs à piston. Voilà, les moteurs à piston. Anciens. Ceux qu'on a actuellement à la sécurité civile, c'est des turbines. C'est des 415. C'est des 415. Alors, différence entre le 215 et le 415, c'est la motorisation. Et c'est aussi l'équipement, les planches de bord qui, du coup, ont été changées. Sur les profils aussi. Exact. Les trucs qui ont été changés. Donc, c'est une société américaine qui s'appelle Bridger Aerospace,
qui va racheter ces avions, qui devrait les remodifier pour les laisser d'ailleurs en Europe, et c'est ça qui est un peu original, pour pouvoir les proposer, entre guillemets, aux différents pays, et bah, c'est quelque part de la lutte contre les incendies privés. Oui, pour avoir, Ah, parce qu'ils ne vont pas faire ça gratuitement, hein. faut pas se leurrer. Donc, c'était Stallone qui avait racheté ça pour eux, parce qu'il en escade beaucoup là dans Exportable. Ah oui, non, mais c'est pas eux qui l'ont récupéré. Donc ils veulent racheter 4 CL215T aux enchères en juin 2023 par le gouvernement espagnol avec l'objectif de s'implanter en Europe. En Espagne, il faut savoir que c'est l'armée de l'air espagnole qui gère cette sécurité anti-incendie, on va dire. C'est le Grupo 43 qui s'occupe de ça. Ils ont 18 Canadair, donc plus que chez nous. 4 CL415 qui ont été livrés entre 2006 et 2014, et surtout 14 CL215T, T pour turbine, qui sont basés à Torrejón, près de Madrid. Les 4 CL215T retirés du service sont en attente à Albacete. Le prix de départ était de 10 millions d'euros pour le lot, ce qui n'est pas si cher que ça quand on regarde bien. Bridger annonce avoir emporté l'enchère sous pli fermé avec une offre de 40 millions d'euros pour les 4, 10 millions d'euros pièce. Et visiblement, c'est chose faite. Voilà. Merci pour les shoot-out, notamment de Dreamercaster, notamment de Crampot aussi, avec son excellente chaîne. Pour Jumpseat, évidemment, je vous laisse faire la modération. Merci à vous. On continue avec les trackers. On reste dans le domaine des bombardiers d'eau. Ah. Un avenir beaucoup plus clair pour les trackers. Je sens le retour des trackers qui avaient été interdits de vol, c'est ça ? C'est un peu ça. Les trackers Fire 4 donc, ont été attribués, et tous... C'est ça aussi la bonne nouvelle, à des repreneurs, soit pour de l'exposition statique, mais surtout pour deux d'entre eux. C'est un peu inespéré, parce que un, on s'en doutait peut-être, mais deux, c'est un peu inespéré. Deux qui vont être donc remis en vol sous le régime de l'immatriculation d'aéronefs de collection. Un exemple, c'est celui qui est en photo, le Tracker 01, qui est rempli d'histoire. Je vous laisserai aller chercher un petit peu pourquoi. Hein. Vous chercherez l'histoire du Tracker 01. Il y a un site, le site notamment de Fred Marsali, de l'équipe de Jumpseat d'ailleurs, qui recense tous les trackers avec leur histoire. Je vous laisserai les regarder, c'est assez sympa. Donc le Tracker 01 partira à Toulouse, aux ailes anciennes de Toulouse, et rejoindra la collection actuelle. Le Tracker 07, ça va te faire plaisir, Nico. Il a été repris par l'association, presque, SOS Tracker 07. C'est une association qui voulait récupérer ça. Et il sera mis en stèle sur l'aérodrome d'Aubenas, non loin du Pélicandrome, sur le terrain. Et enfin, deux exemplaires qui seront volants, ce seront donc le T15, le Tracker 15 et le Tracker 24 qui seront mis en vol et participeront à des meetings aériens. Le Tracker 24 sera conjointement exploité d'une part par l'Amicale des pompiers du ciel, donc les anciens pilotes de Tracker et de Canadair, qui connaissent quelque part l'avion mieux que personne, et conjointement aussi avec le Musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar. D'accord. Donc l'avion sera peut-être basé là-bas, puisqu'ils connaissent aussi très bien les moteurs, puisqu'ils font voler l'OV-10 Bronco, et les moteurs sont très proches. Et enfin, le T15 le Tracker 15 va être remis à l'Amicale alençonnaise des avions de collection et rejoindra aussi la flotte d'avions anciens, dont les MD-312, dont Broussard, etc. Alors, voilà. Juste pour rappel, le Tracker est un avion embarqué américain. Oui. C'est un porte-avions de chasse anti-sous-marine. Et il a été reconverti. Alors, autre chose, un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'effectivement, ces avions-là, on se souvient parce qu'on les a connus hein, quand on était à Nîmes. Ah ouais. On les voyait décoller et puis faire leur travail. Et ils ont été arrêtés de vol, ce qui est un peu triste en fait. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ne cherche pas à les mettre à la ferraille. Non, on les distribue dans des associations qui prennent l'engagement de les maintenir en bon état, pour les statiques. Donc voilà, c'est important de donner un peu de patrimoine comme ça pour que ça continue d'exister en vol ou même en statique. Eh ben, on peut remercier l'Amicale des pompiers du ciel parce que c'est aussi eux qui ont beaucoup œuvré très bon esprit. Il y a tellement de choses qui ont disparu de l'aviation française. Ouais. Parce que l'administration a décidé qu'il fallait ferrailler, malheureusement. Mais bon. C'est comme ça. Là, c'est bien. Bonne nouvelle. Et on continue avec la dernière petite news du jour. Et vous reconnaissez des têtes dans toutes les personnes qui sont ici sur la photo. Et salut Céline,
bienvenue. Elle est là, Céline. Ouais. Elle est là, Céline. Razia, des pilotes français au championnat d'Europe de voltige. 8 pilotes de l'équipe de France se classent aux 11 premières places des championnats d'Europe 2023. Vous reconnaissez celui qui est au milieu, Florent. Florent Houdon, qui était venu ici avec son collègue de gauche. Popov. Il est où Popov? On le voit ou pas sur la photo? Il n'est pas à gauche. Est-ce qu'il est sur la photo ou pas? Non, il n'y est pas. Florent Houdon est le premier, Louis Vanel, deuxième, Mika Brajo, donc à sa gauche, troisième, Victor Lallouet, quatrième, Antoine Paccard, sixième, Loïc Lovicourt, septième, Guillaume Calme, ou Calmes, je ne sais pas si on dit le S ou pas, huitième, et Fanny Vialard, onzième. Voilà, donc de très bons résultats des voltigeurs français sur ces championnats d'Europe, les seuls étrangers. En fait, les quatre premiers, c'est nous. Enfin, nous. Oui. Je ne veux pas être... c'est eux, c'est des Français, quoi, c'est bien. Et alors, les seuls étrangers qui ont réussi à se glisser dans ce top 11 tricolore sont, tiens-toi bien, le Tchèque Martin Sonka, 5e, qui était quand même pilote au Red Bull Air Race. Hein. Le néo-hongrois d'origine française Daniel Genevet, lui aussi, il était en Challenger au Red Bull RS, et le Roumain Andrei Mirai Sebou, voilà, qui a fait 10e. Donc les Français n'ont laissé aucun de leurs adversaires monter sur les différents podiums, le final comme les 4 manches, ce qui fait au final 5 médailles pour Florent Houdon, dont 2 en or, 2 d'argent aux différentes manches, plus le titre. Donc là, il revient, il a du métal dans l'avion. Donc bravo à tous les concurrents et Cocorico, parce que c'est encore un très très grand travail de l'équipe de France de voltige, qui montre à quel point les Français sont à haut niveau là-dessus. Et pensez d'ailleurs également à Mélanie qui a rejoint la Grande-Bretagne, et effectivement elle a rejoint, elle va concourir en tout cas, je ne sais pas si on peut dire elle a rejoint, mais elle va concourir avec sa double nationalité pour l'équipe britannique. Il faudrait qu'on la rappelle, tiens, Mélanie, de ce jour. Oui, ça serait bien. Qu'on sache un petit peu où elle en est. On peut la faire revenir pour voir un peu l'évolution de sa carrière. Ouais, et puis ça serait pas mal. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, fin de l'actualité du terminal pour ce soir. On va passer à. Je sais pourquoi il n'y aura pas de compétition de poursuite aérienne. Ah, on va gagner. Non, et puis Renault. Ah oui, alors. Renault. Nouvelle. Tiens, on va revenir en mode antenne. Mode antenne. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu les. Alors, j'ai eu la faute tout à l'heure. Moi, j'étais pas au courant. On va se mettre en face, là. Il y a eu les dernières courses de pylônes à Renault. Oui. Les dernières cette année. Et malheureusement, ça a été endeuillé par le crash de deux T6 qui sont abordés là-bas. Quoi. Donc, deux morts. Donc là, c'est fini. Voilà. De toute façon, il n'y aura plus de course à Renault. Il n'y aura plus de course de Renault. Ouais. De pylônes. C'était très impressionnant parce que c'était des Warbirds, c'était des Mustangs, ils étaient modifiés pour vraiment être très vite et ils avoisinaient les 800-900 km/h. Ouais, il y avait des raceurs aussi dedans, il y avait pas mal de choses. On aura un invité qui a été témoin. Oui, d'accord. On aura un invité qui a couru décembre ou janvier peut-être. Qui était témoin de la scène. Qui était là-bas à ce moment-là. On va caler tout ça. Voilà. On va caler tout ça. Ok, écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au sujet du jour, puisque Cédric, il est là, il nous attend. Donc, on va le rejoindre. Il est toujours là, il va arriver. Donc, on va lancer le jingle, c'est la théorie avant la pratique. Et ce soir, on va revenir sur un sujet qui vous avait plu. On a voulu le refaire. Comment tu marches ? Comment est-ce que fonctionnent les réacteurs, les turbines d'avion ? Explique-nous. Avec un expert, c'est Cédric qui est avec nous. Donc, on lance la séquence, la théorie avant la pratique. Et on retrouve Cédric qui arrive et il est là. Magnifique. Salut Cédric. Salut Seb, salut Nico. Bonjour à tous. Salut Cédric. Eh bien écoute, on t'entend bien, je suppose. Nous, on t'entend bien en tout cas. J'espère que... Moi, je vous entends très bien. Ok, tu nous entends. Est-ce que les chatters, ils entendent les viewers, bien Cédric? Les viewers. Les chatters. Les chatters, les viewers. On l'entend. Très bien. Ceux qui nous regardent. Super. Bon, Cédric, merci de répondre à nouveau présent dans la zone aéro. On avait fait le sujet déjà sur les réacteurs, les turbines, il y avait eu des petits soucis techniques, donc on s'était dit on va le refaire et c'est une très bonne chose.
Exactement. Donc, c'est surtout parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris. Et là, il y en a qui n'avaient pas compris non plus. Ah oui, ben Jean n'est encore pas arrivé. Mais voilà, les gens, les passagers, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on te laisse partager ton écran et puis on redémarre le sujet. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Peut-être rappeler un peu Cédric ce qu'il fait dans la vie. On peut ou pas? Bien sûr. Moi, je suis ancien instructeur théorique en ATO, donc en école de pilote de ligne. Au préalable, j'ai été instructeur sur simulateur de vol dans l'armée. Et aujourd'hui, je m'occupe pour un grand ATO de gérer son réseau d'écoles à travers le monde. Voilà. Oula, c'est une grosse responsabilité, ça, effectivement. Ouais. D'ailleurs, maintenant, quand on aura Cédric, on va demander des abonnements T3. Au montant qualité, normal. Bon, trêve de plaisanterie, on va attaquer, donc on va basculer en affichage d'écran. Hop, Cédric va nous partager son écran, ça va arriver dans un instant. Voilà, et on va pouvoir démarrer le sujet du jour, les réacteurs et les turbines. Alors, jeune barbeur, parce que j'avais une barbe. Exactement. Donc pour ce sujet des moteurs à réaction, moteurs à turbine, d'ailleurs on va en parler, hein, on a souvent ce petit amalgame, on ne sait pas si on doit dire moteur à réaction, moteur à turbine, hein, donc en fait on va en parler très rapidement, la différence est très simple. Avant de parler du principe de fonctionnement, je vous propose de faire un bref historique, hein, d'ouvrir le moteur à turbine, à réaction, et quelle a été son évolution, surtout dans la partie aéronautique. Donc historiquement, les toutes premières planches, les premières ébauches du moteur à turbine, en effet Nico, c'est Monsieur Barber, hein, donc je ne sais pas si son nom vient de sa barbe, j'en sais rien, mais en effet c'est en 1731 où il a inventé cette machine. Alors pour information, elle n'a jamais été produite, elle est restée uniquement sur papier au départ. Mais en tout cas, ce sont les premières traces historiques de systèmes avoisinant le fonctionnement d'un moteur à turbine qui ont été retrouvés. Donc le principe, hein, là, c'était en théorie de l'eau qui chauffait et avec la vapeur, ça entraînait des systèmes de poulies et d'engrenages, un peu comme ce qu'on verra sur les turbines tout à l'heure. Okay. Donc ça, c'était vraiment les prémices. Des moteurs à turbine. Ensuite, il faut savoir que ça s'est développé, hein, ça s'est développé dans les industries, dans tout ce qui est naval. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, pour la partie aéronautique, le tout premier avion à réaction de l'histoire de l'aéronautique, donc c'était le Henkel 178, hein, produit en 1900, dont le premier vol, pardon, était en 1939. Donc, comme assez souvent dans l'aviation, tout ce qui est nouvelle technologie est d'abord apparu dans le monde militaire, a d'abord été utilisé et produit dans le monde militaire, et ensuite, bien après, c'est arrivé dans le monde civil. Donc c'est pour ça qu'on est aux alentours de 39-45 sur les premiers avions à réaction, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands étaient en fer de lance de ces trucs-là, d'ailleurs. Hein. Ils ont beaucoup contribué à l'évolution. Hein. Exactement. Ensuite, donc, on a eu le Gloster E-28, qui a été le premier avion allié, donc en l'occurrence, il était britannique, à voler en 1941. Et puis ensuite, fin de la guerre, on a commencé à avoir les premiers vrais avions, on va dire, de combat et d'entraînement. Hein. Donc on a eu le Vampire, qui est quand même assez connu, hein, cet avion-là, donc en 1943. Et ensuite, les deux derniers qui sont aussi très connus pour les amateurs de Seconde Guerre mondiale, hein, le Henkel 162 et le Messerschmitt 262, qui ont quand même bien aidé les Allemands en fin de la guerre, hein, mais du coup, on était déjà sur la fin de la guerre et à eux tout seuls, ils ne pouvaient pas redresser le cours de la guerre. Oui, c'est vrai qu'une petite parenthèse, parce que pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Melun... il y a 15 jours. Il y a 15 jours, ils ont vu en vol un Messerschmitt 262. Mmh. Voilà. Ils sont plus beaucoup. Ça devait être extraordinaire à voir. Bref, petite parenthèse, parce que c'est un avion. C'est un avion qui fait rêver quand même. Mmh. Ah ouais, c'est. Ensuite, bon, ça, on le connaît beaucoup mieux, hein, dans l'aéronautique, dans l'aviation militaire moderne. On va retrouver moteur à action, moteur à turbine,
dans tout ce qui est partie défense aérienne, avions de chasse, défense aérienne, bombardement, hein, reconnaissance, etc., etc. Donc évidemment, fleuron de l'aéronautique français, militaire français, on va retrouver le Rafale. Autre exemple, l'avion européen, l'Eurofighter, et côté américain, on va retrouver F-22, F-35, toute la série DF, hein, qui sont des avions qui utilisent pour la propulsion un système à réaction, un système à turbine. Et presque tous les avions de ligne aujourd'hui, de toute façon, fonctionnent avec des avions à turbine ou à réaction. Oui, exactement. Tous les avions, justement, très bonne transition, tous les avions à turbine commerciaux, on va dire larges, ce qu'on appelle les larges, donc partie 16-25, donc avions commerciaux à gros emport de passagers, fonctionnent à avions à turbine. Pas tous à réaction, mais quasiment tous à turbine. Donc on en reparlera juste après de cette petite différence qu'il peut y avoir entre avions à réaction et avions à turbine. Donc pour la partie aviation commerciale, ben on voit, hein, comparé à 1939 pour la partie militaire, le premier avion civil à réaction, donc c'est le Comet DH-106, hein, qui a été mis en service en 1952, donc bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui a servi à faire le premier emport de passagers pour l'aviation civile. Ensuite, les choses se sont quand même bien accélérées. La partie aéronautique civile, hein, a quand même bien rattrapé le retard qu'elle avait sur la partie militaire, si je puis dire. Donc on a le fameux Boeing 707, qui a vraiment été le premier avion à succès de l'avion à réaction à succès de l'aéronautique civile. Bien évidemment, le Concorde, que tout le monde connaît, hein, qui pour l'instant a des performances pour l'aéronautique civile, hein, pour la partie aéronautique civile, transport de passagers, qui a toujours des performances inégalées à l'heure actuelle. Ouais, c'était le seul avion de passagers qui passait le Mach, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, il était à Mach 2, mais il était même au-delà de Mach 2, hein, en croisière, il était entre Mach 1.9 et Mach 2.2. Donc par contre, le problème, c'est que comparé à un Boeing ou un Airbus standard, et un Concorde n'emportait qu'une centaine de passagers. Donc en effet, les places, les billets d'avion pour faire Paris-New York sur Concorde étaient quand même relativement chers, parce qu'il fallait amortir le cours du carburant sur 100 passagers au lieu de 200 ou 300 habituellement. Ouais. Alors on peut signaler aussi qu'il y a eu un peu une sorte de commémoration du Concorde, puisque il y a une marque de briques qu'on assemble, hein, qu'on peut forcément citer, qui vient de sortir justement une réplique du Concorde, et l'équipe de Jumpseat, on salue Martin, qui d'ailleurs doit partir, sont amusés, ils ont mis 6 heures pour le construire hier. C'est leur stream d'hier soir, ils ont fait le Concorde, monté comme ça. Tu sais pourquoi c'était cher, le Concorde? Parce que le pilote, c'était Alain Delon quand même. Ah oui, c'est pour ça. Cédric, il n'en peut plus déjà. Ça y est, je le saoule. Non, mais parce que je suis habitué aux blagues de Nikos. dans l'aviation commerciale moderne, on va retrouver, hein, les deux fleurons de l'aviation commerciale moderne au point de vue technologie. On va retrouver pour la partie Airbus, hein, l'A350. XWD pour Extra Wide Body, et le 777X pour la partie Boeing. Donc ce sont les derniers avions commerciaux à utiliser une propulsion à turbine à réaction. Alors ce qu'on peut voir d'ailleurs dessus, c'est qu'on se rend compte qu'il y a moins de moteurs que les autres avions, mais par exactement. Contre que les moteurs sont beaucoup plus volumineux maintenant. Exactement, si on compare au 707 qu'on a vu, au DH-106 qu'on voit au début, même par rapport au 707, hein, qui avait ses 4 réacteurs, on voit clairement qu'il y avait 4 réacteurs avec des réacteurs qui posaient sur les ailes, et par rapport à la taille de la cellule et du fuselage, paraissent relativement modestes. Et aujourd'hui, quand on regarde le 777 ou la 350, on a des dimensions qui sont tout autres. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, celle de Nico, de la taille, du diamètre que peut faire l'entrée d'air d'un réacteur de 777 ou 350? On peut demander au chat, savoir si eux, ils ont... Ah oui, ils le savent peut-être. Voilà, à votre avis, voilà, question posée par Cédric, quel est, à votre avis, donc le diamètre des avions modernes Des entrées d'air, oui. Enfin, des entrées d'air, des moteurs, des réacteurs des avions actuels. À votre avis, quelle taille ça peut faire? Alors, il y a Ben Moll qui nous dit 4,5 mètres. Il y a MMG7F qui nous dit 4 mètres. 0K, 4 mètres. 3,62 mètres pour Joe Brabble, il est précis. Locaf, 5 mètres.
Voilà. Est-ce qu'on est dans, ces, dans cet est, ordre d'idée-là? On est un peu en dessous des 4 mètres quand même. Aujourd'hui, sur, sur ces avions-là, on est aux, on peut, ça tourne aux alentours de 3,40 m. C'est de cet ordre-là. Après, en fonction des variantes de moteur et des puissances, à 10, ça se joue à 10 cm près, mais on est aux alentours des 3,40 m, 3,30 m, 3,40 m pour les diamètres d'entrée, ce qui est quand même... C'est quand même assez grand. Ce qui est quand même énorme pour un diamètre d'entrée de moteur. Hein. C'est-à-dire que faut vous imaginer chez vous, c'est un mètre plus haut qu'un plafond standard de maison. Hein. Ouais. Oui, oui, c'est sûr que bon. Jérémy Beaugène nous avait dit que le LIP, un sacré réacteur, 3,43 m, donc il est à 3 cm de la bonne réponse. Hein. Bravo, oui. Jérémy. On en a gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, deux gros réacteurs, deux gros entrées d'air. Oui, tout à fait. Donc, voilà pour la partie, pour cette petite partie historique. Maintenant, si, avant de rentrer dans le détail, toujours en vulgarisant, bien sûr, dans le détail technique, on va parler du principe général. Quel est le principe physique général qui est utilisé pour ce genre de réacteur? En fait, le principe est très simple. Hein. C'est la troisième loi de Newton, donc le principe des actions réciproques, qui dit que ben, quand on applique une force dans un sens, et ben, tout simplement il y a la même force qui se produit dans le sens opposé. Ouais. Typiquement, celle Nico, vous mettez en face, vous posez vos mains l'un sur l'autre, quand il y en a un qui pousse, ben, il y a une force réciproque qui va pousser l'autre dans l'autre sens. Et bien là, c'est exactement le même principe. C'est exactement ce qui se passe aussi quand vous gonflez un ballon, vous mettez de l'air dedans, donc de l'air sous pression. Vous fermez le ballon et au moment où vous le lâchez, l'air s'échappe. Et donc, en s'échappant vers l'arrière, l'air crée une force et du coup, il va créer une force réciproque vers l'avant et c'est pour ça que le ballon avance. C'est exactement le même principe. Donc, sur le moteur en lui-même, eh bien, le principe, ça va être de prendre de l'air. On va voir ce qu'on en fait. Hein. On le comprime, on le brûle, on le détend. On va en parler un peu plus en détail après. Mais dans tous les cas, cet air-là, il sort avec beaucoup de vitesse à l'arrière. Et du coup, en sortant avec beaucoup de vitesse sur l'arrière, il crée une réaction vers l'avant. Ok. Donc, les moteurs ne sont plus aspirés par l'hélice. Ils sont poussés par le moteur. Voilà. Donc, du coup... On va en arriver tout de suite, on va en parler tout de suite, comme ça on va démystifier la chose. La différence, quand elle existe, entre moteur à réaction et moteur à turbine, en fait c'est très simple, hein, c'est inclusif. C'est-à-dire que les moteurs à réaction sont systématiquement des moteurs à turbine. Mais tous les moteurs à turbine ne sont pas systématiquement des moteurs à réaction. Je m'entends. Sur le 777 ou le 350, le Rafale, on le voit, il y a une entrée d'air, il y a une sortie d'air, l'avion avance. Donc c'est exactement le principe qui est devant vous. On va prendre un ATR, le principe d'un ATR, hein, donc, qui est aussi un avion de ligne, hein, qui est plus utilisé pour le court courrier. Et on en a parlé tout à l'heure, par exemple, avec les Canadair. Ce sont des moteurs à turbine, et pourtant, ils ont des hélices. Mmh. Sauf que ces moteurs-là, en fait, malgré le fait qu'ils aient une hélice devant, à l'intérieur, eh ben, en fait, ça va être exactement le même schéma le même schéma de fonctionnement qu'on va voir en détail après, mais à l'intérieur il se passe exactement la même chose qu'un moteur à réaction. La seule différence, c'est que devant il y a une hélice, et en fait au lieu d'utiliser la vitesse des gaz d'éjection qu'on voit sur l'arrière pour créer une propulsion vers l'avant, on va utiliser les gaz pour faire tourner l'hélice devant. Okay. Et ensuite l'hélice fait le même travail que votre DA40 ou que votre Cessna 172. L'hélice en elle-même fera le même travail. Si ce n'est que la grosse différence, c'est le couple. Le couple sur l'hélice et donc la traction qui va y être associée. Et c'est pour ça qu'on peut mettre, on peut emporter 100 passagers sur un ATR, malgré le fait que ce soit des hélices. Mais le principe de fonctionnement interne est exactement le même. D'accord. Ok. Donc voilà pour ce principe général de fonctionnement. Maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur, on va faire un petit comparatif par rapport au moteur à piston. Même chose, on va essayer de ne pas trop entrer dans les détails, on va essayer de rester au niveau. Vous avez le moteur à piston de votre Cessna et vous avez le réacteur de votre A350. Initialement, il se passe un peu la même chose. C'est-à-dire que sur un moteur à piston, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord absorber de l'air.
Ensuite, cet air-là, on va le mettre dans une chambre qu'on va sceller pour qu'elle soit étanche. On va comprimer cet air-là. Une fois que l'air il est comprimé, on y met de l'essence. On enflamme le mélange air-essence. Et forcément, si on prend de l'air comprimé avec de l'essence et qu'on y met le feu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une détente. Voilà, exactement. Et on se sert de cette détente-là pour faire bouger le piston et donc entraîner le moteur. Eh bien, sur un moteur à réaction, il se passe exactement la même chose. On va avoir exactement les quatre mêmes phénomènes. C'est-à-dire qu'on va d'abord aspirer de l'air par l'entrée d'air qui est sur l'avant. Donc, on va aspirer cet air-là de la même manière qu'on aspire l'air, on le voit en dessous sur un moteur à piston. Ouais. Ensuite, cet air-là, il va passer dans un compresseur dont le rôle va être exactement comme dans le moteur à piston de comprimer l'air. Donc ça, c'est toute la partie, toute la deuxième partie qu'on voit qui est ici. Une fois que cet air-là il est comprimé, ben on va l'envoyer dans une chambre de combustion dans laquelle on va rajouter du carburant et on va enflammer tout ça. Une fois de plus, exactement comme dans votre moteur à piston dans la chambre de combustion qui est ici. Et ensuite, ben comme ça brûle, les gaz sont détendus vers l'arrière et ils s'évacuent par l'échappement. Ok. Exactement comme sur le moteur à piston. La seule et unique grosse différence majeure qu'il y a entre ces deux systèmes, c'est qu'on le voit sur le moteur à piston, les séquences se font les unes derrière les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend d'abord de l'air, une fois qu'on a, on est obligé de l'avoir, on comprime, une fois qu'on comprime, on l'enflamme, et ensuite on attend la détente. Sur le moteur à réaction, comme on peut le voir ici, c'est un flux continu. Ce qui veut dire qu'en même temps qu'il y a de l'aspiration, exactement dans le même temps, il y a aussi de la compression, il y a aussi de la combustion et il y a aussi la détente. Ce qui fait que c'est un principe de fonctionnement continu et un cycle continu comparé au moteur à piston où c'est un cycle intermittent. Mais le principe reste exactement de le même. Je prends de l'air, je le comprime, je le mélange à du carburant, je l'enflamme et je le détends. En fait, l'énergie qui permet de faire avancer l'avion du réacteur, en fait, elle n'est pas mécanique par rapport au moteur à piston. Le moteur à piston, c'est le mécanisme du cylindre, du vilebrequin qui transmet la force. La force pour faire avancer l'avion. Ouais. Le réacteur, lui, c'est juste l'énergie de l'explosion, on peut dire. Exactement, c'est tout à fait ça, Nico. C'est-à-dire qu'on le voit sur la partie moteur à piston, hein, ici sur la partie chambre de combustion. Mmh. L'explosion des gaz, la combustion du mélange air-essence va engendrer une grosse pression sur le piston. Le piston va descendre et en descendant, bah, lui, il est relié à l'arbre moteur qui fait tourner les roues, qui fait tourner l'hélice. Les roues sur une voiture, l'hélice. Et c'est le mouvement mécanique qui engendre la rotation de l'hélice. Ici, eh bien, c'est l'éjection des gaz sur l'arrière à très grande vitesse qui fait que par le principe des actions réciproques va créer une traction vers l'avant. Ouais. Alors en fait, ça doit avoir un rendement beaucoup plus important sur le réacteur parce qu'il y a quand même beaucoup moins de déperdition sur toutes les pièces en mouvement, les pièces mécaniques du moteur à piston. Tout à fait, exactement. Le rendement énergétique d'un moteur à réaction est le rendement global d'un moteur à réaction est bien meilleur que le rendement d'un moteur à explosion standard, un moteur à piston. Comme tu l'as très bien dit, Seb, la première raison, c'est que c'est par rapport aux pièces en mouvement. Hein. Et on le voit, la raison aussi principale, c'est qu'on le voit clairement sur ce schéma, un moteur à réaction ou à turbine, hein, il est, en l'occurrence pour celui-là, il est axial. C'est-à-dire qu'il y a clairement un axe de symétrie au centre et toutes les pièces sont placées sur le même axe. Mmh. Ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu de renvoi de pièces, etc., etc. Alors sur un moteur à piston, comme on peut le voir en dessous, on voit clairement que les pièces ne sont pas axées en elles-mêmes, on transforme des mouvements de translation en mouvements de rotation, etc., etc. Et ça engendre des contraintes et des pertes qui sont relativement importantes sur le système. Ouais, ok. Donc là, sur ton dessin, en fait, on profite de l'explosion et de l'éjection des gaz vers l'arrière pour faire tourner la turbine, là, les trois... Exactement. On va en reparler juste derrière exactement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette partie réacteur et cette partie turbine et à quoi ça sert. Donc voilà pour le principe de fonctionnement global et surtout la différence qu'il peut y avoir entre un moteur à explosion et un moteur à réaction. Donc la partie moteur à turbine, j'en ai parlé.
Vous voyez, là, c'est parfaitement illustré. Hein. On voit notre moteur à réaction standard, donc type, ça peut être type A330, Boeing 737 ou même Rafale. Et ensuite, notre turbopropulseur d'ATR. Et comme je disais tout à l'heure, si on enlève cette partie hélice qui est devant, eh ben, on voit que le fonctionnement interne du moteur et la construction interne du moteur est exactement identique à celle qu'on a sur le moteur à réaction pur et dur. Sauf que là, il s'ouvre vers le bas, par contre. Oui, parce qu'en effet, alors, tout à fait, Seb, parce qu'en fait, ça reste un échappement. Du coup, là, en fait, on ne se sert pas, comme je vous l'ai dit, on ne se sert pas de la vitesse d'échappement des gaz pour créer la propulsion vers l'avant. Ouais. On se sert de la vitesse de propulsion, de la vitesse des gaz pour faire tourner cette turbine qu'on voit là, qui, on va en reparler après, fait tourner le compresseur, mais qui surtout va venir faire, c'est elle, c'est ces gaz-là, comme le moulin avant. C'est-à-dire qu'on souffle de l'air sur un moulin avant, et qu'est-ce qui se passe quand on souffle sur un moulin avant, les pales tournent. Et bien là, c'est exactement la même chose. On souffle de l'air sur les pales de turbine, du coup, les pales de turbine, elles tournent, et comme elles sont mécaniquement liées à l'hélice, et bien l'hélice tourne et produit de la traction. Ok. Voilà pour cette petite différence. Donc maintenant, en effet, Nico, pour venir à ce que tu disais, cette petite partie, donc je pense qu'on a bien compris, appréhender ce système-là de action-réaction. Je prends de l'air, je le propulse vers l'arrière et ça me ramène vers l'avant. Maintenant, à quoi servent toutes ces parties mobiles qu'on peut voir? Eh bien, en fait, sur cette partie moteur à réaction, les gaz qui sont éjectés vers l'arrière, certes, servent à la propulsion, mais comme on l'a dit, pour que ça fonctionne, il faut que l'air soit comprimé au départ. Donc, il nous faut bien un compresseur qui va comprimer l'air. Sauf que ce compresseur, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, en fait, le principe est assez simple. C'est-à-dire qu'une partie des gaz d'éjection qui sert à la propulsion va aussi servir à faire tourner cette turbine. Et on a dit sur la diapo précédente que cette turbine-là, les gaz faisaient tourner la turbine, et pour un turbopropulseur type ATR, la turbine servait à faire tourner l'hélice. Oui, mais dans tous les cas, elle sert aussi à faire tourner le compresseur. C'est-à-dire que c'est la force même que produit le moteur qui, en faisant tourner la turbine, entraîne le compresseur qui lui-même à nouveau compresse de l'air qui permet d'être enflammé, qui permet de faire tourner la turbine, qui permet de faire avancer l'avion. Et du coup, c'est auto-entretenu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, c'est un cycle qui est auto-entretenu. C'est pour ça que typiquement au niveau du démarrage, quand on va démarrer un moteur à réaction, il lui faut une certaine vitesse initiale pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Si la turbine ne tourne pas assez vite, elle ne fera pas tourner le compresseur assez vite, qui lui ne comprimera pas assez d'air pour que le système s'entretienne. Mais une fois qu'on a atteint cette vitesse-là minimale, eh ben en fait, au fur et à mesure qu'on brûle des gaz, on fait tourner la turbine, au fur et à mesure qu'on fait tourner la turbine, on compresse de l'air et le système s'auto-entretient. Donc en fait, pour accélérer, il faut envoyer de l'essence quelque part. Exactement, tout à fait. C'est, on va dire que on va pas rentrer dans les détails, mais au niveau gestion carburant, c'est un petit peu plus simple que pour les mélanges qu'on peut avoir sur les moteurs à piston. Là, c'est simple. Plus on va injecter de carburant, plus on va cramer de mélange. Donc, plus on va faire tourner la turbine vite, plus on fait tourner la turbine vite, plus on fait tourner le compresseur vite. Plus on fait tourner le compresseur vite, plus l'air est comprimé. Et plus l'air est comprimé, eh bien, plus il produit derrière. Et dans ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a aussi une inertie, parce que le temps que ça passe et que ça reprenne devant, c'est pas immédiat. Exactement. Et très très bonne remarque, Seb. C'est pour ça que dans la manière de piloter un avion à réaction, il y a une légère adaptation. Quand un élève sort d'école, et pour le coup, je maîtrise bien le sujet, quand un élève sort d'école en sortie de formation pilote de ligne standard, où il n'a fait que de l'avion à hélice, donc je ne parle pas d'avion à turbine, hein. Je parle d'avion à hélice, parce que les ATR sont entre les deux du coup. Ils ont l'inertie, la moteur à turbine, mais ils ont aussi l'avantage de l'hélice qui fait frein. Donc quand les élèves sortent DA40, DA42, c'est 562, ils ont eu du moteur à piston, et qu'on les met derrière sur jet, il y a une certaine phase d'adaptation au niveau de l'anticipation de tout ce qui est gestion de l'énergie, parce qu'une hélice, c'est pas compliqué, hein. Vous le savez tout aussi bien moi, voire même mieux que moi tous les deux. Vous mettez plein réduit, le moteur, on s'arrête net, quoi. Un avion en réaction, ça marche pas comme ça. Pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, sur un avion en ligne, tout ce qui est plus standard, peu importe, hein, Boeing, Airbus, au niveau de croisière, si on coupe les deux moteurs,
C'est-à-dire on les met sur idle, hein, donc ils ne poussent plus rien. Avant de commencer le début de descente, donc forcément la vitesse va décroître, hein, mais avant d'atteindre la vitesse standard pour pouvoir descendre sans moteur, l'avion peut rester en palier pendant 35 à 50 nautiques en fonction des avions. Ouais, quand même. Ouais. La décélération peut mettre 35 à 50 nautiques. Alors, ce qui, pour le coup, quand on se retrouve au-dessus de l'Atlantique en panne moteur, a quand même un certain avantage. Oui, bien sûr. Mais par contre, quand on doit faire une étape courte Bordeaux-Toulouse en 320, il faut anticiper. Ouais, d'accord. Voilà, on va moins haut. Ouais. J'ai une petite question là justement parce que là on en arrive en fait au moment de l'explosion, hein, de l'essence et de l'air qui arrive par le compresseur. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de proportion comme dans le moteur à piston de 1 pour 15 pour avoir la bonne explosion Oui, alors forcément le mélange ça reste de la chimie, c'est-à-dire que le mieux c'est d'avoir un mélange stoichiométrique, donc en effet avec un ratio de 1 pour 15. Pour avoir la meilleure efficacité possible. La seule différence entre cette partie-là, moteur à réaction et moteur à piston, c'est qu'en fait, sur un moteur à piston, c'est un petit peu plus compliqué. On ne va pas nécessairement aller chercher le 1 pour 15 à cause de problèmes de refroidissement, etc., etc. Mais ça peut faire l'objet d'un autre sujet. Et surtout, en fonction des régimes, on est obligé de faire varier le régime. Le mélange, la teneur en un mélange. Ici, pour la moteur à action, c'est relativement simple. Comme l'a dit Seb juste avant, c'est pas compliqué. J'injecte plus ou moins de carburant. Et en fait, d'office, en injectant plus ou moins de carburant, la quantité d'air associée, elle va rentrer. Se faire toute seule. Alors, pour ceux qui nous regardent, proportion 1 pour 15, c'est un volume d'essence pour 15 volumes d'air. Voilà. Si on fait ça, c'est le volume idéal. On va donner des. Et après, si on pousse dans les extrêmes, c'est-à-dire si on met trop d'air pour passer le carburant, ben en fait, ça ne brûle pas. Hein. Mmh. Voilà, oui. C'est comme si on mettait une goutte d'essence dans 10 000 litres d'eau, ça serait complètement dilué. Et à contrario, si on met trop d'essence, ben en fait, on noie, il n'y a plus assez d'air pour que ça fonctionne. Ouais, donc la combustion utilise l'oxygène. Donc, si à un moment donné il n'y a pas assez d'oxygène, la combustion ne peut pas se faire. Ok. Ça marche. Alors, très bonne remarque de Pocfly qui dit qu'il y a aussi deux flux sur le réacteur, oui, ça pousse. Parfait. Bah, justement, on en parle là. Exactement. Donc, au niveau des moteurs à réaction, à turbine aussi ça marche, hein, parce qu'on a aussi ce système-là de flux pour les turbopropulseurs. Mais pour la suite, je garde le principe de moteur à réaction, ça permet, c'est plus simple. Donc on va avoir deux sous-types de moteurs à réaction. On va avoir les moteurs à réaction simple flux, ce qu'on appelle simple flux et double flux. Okay. Donc là, je vous laisse deviner avec l'image quelle est la différence majeure, hein, ça se voit, c'est flagrant. Laquelle on voit est plus que grosse le simple que l'autre. Flux, vas-y, Seb. Laquelle est plus grosse que l'autre? Exactement, c'est toujours cette différence. C'est un dilemme quand même qu'on rencontre partout. Exactement. Non, pourquoi pas. En fait, simple flux, c'est assez simple. On le voit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul flux d'air. C'est-à-dire que là, l'air rentre ici, donc par la partie air intake, donc entrée d'air. Et on voit que la totalité de l'air passe par tous les étages de compresseur, par la chambre de combustion et par les turbines et par l'échappement. Donc, donc en fait, on n'a qu'un seul flux d'air. C'est pour ça qu'on appelle ça simple flux. Pour les doubles flux, bah, comme son nom l'indique, on va avoir deux flux d'air différents. C'est-à-dire que là, on a notre entrée d'air principale. Donc l'air arrive dans cette entrée d'air. Et au niveau de l'entrée d'air, il y a une séparation qui va être faite en deux flux. Le flux d'air froid, le flux d'air chaud. Le flux d'air froid, c'est le flux qu'on voit. Hein, donc ça passe sur le premier étage. Donc la totalité de l'air passe sur le premier étage qu'on voit qui est ici. Ouais. Qui s'appelle ce qu'on appelle le fan, hein, qu'on appelle le fan. Donc tout l'air passe ici, et ensuite il y a une partie de l'air qui est directement évacuée sur l'arrière. Donc ça c'est le flux d'air froid. Et ensuite qu'on voit qu'il y a une petite partie ici qui vient, qui rentre dans la partie compresseur, qui ensuite est brûlée ici dans la partie combustion, qui passe par la turbine et qui est évacuée. Okay. Donc c'est pour ça que ça double flux, et ça c'est le flux d'air chaud, du coup. On a un flux d'air froid et un flux d'air chaud, donc c'est pour ça qu'on appelle ça double flux. Ok. Alors il y a Jérémy Boget qui dit « J'ai une impression de deux chambres de combustion, du coup, pour le double flux. » Donc non, il n'y en a qu'une. Non, il n'y en a qu'une, c'est parce qu'en fait, c'est
comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des réacteurs qui sont cylindriques. Et en bah, fait, tiens, la vue en coupe fait que... Si on peut... Ouais, on a un outil pédagogique, figure-toi, mon cher Cédric, dans la zone aéro. J'en suis jaloux même, si je peux en Ah bah, donc, voilà. Il y a un concours pour le gagner. Hein. Il va y avoir un concours bientôt pour le gagner, normalement. Donc le fan, on a dit, et donc là, voilà. Donc en fait, ce qu'on a ici, là, c'est ce que tu as mis dans la deuxième flèche rouge de ton schéma. Oui. Faudrait que je le tourne dans l'autre sens, d'ailleurs, pour qu'on soit aligné, tu vois. C'est ouais. Plus froid. Donc la chambre de combustion, il n'y en a qu'une seule. C'est jusque là, sur le schéma, pour faire les coupes et surtout pour montrer qu'il y a un arbre au milieu. C'est-à-dire pour montrer ce qu'on a dit tout à l'heure, que la turbine entraîne physiquement la partie compresseur. C'est le schéma qui est comme ça. Mais en fait, il n'y a qu'une seule chambre de combustion et elle est cylindrique, hein, elle aussi, comme tout le reste. Ok. Donc nous, la chambre de combustion, en fait, elle est là. C'est la zone noire qui est ici. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc, vous allez me dire, bah, F, à quoi ça sert d'abord? C'est quoi la différence un peu flux, double flux? Quel est l'intérêt de l'un, quel est l'intérêt de l'autre, etc., etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que des simples flux, il n'y en a quasiment plus. C'est quasiment ouais. Plus utilisé, des simples flux. C'était les premiers, les premiers réacteurs hein, étaient simples flux. Aujourd'hui, la quasi-totalité des avions, que ce soit... militaires, chasseurs ou commerciaux sont à double flux. Même un Rafale est à double flux. Un Eurofighter est à double flux, un F-35 est à double flux. Okay. La différence qu'on va avoir, on va en parler juste après. Juste pour finir sur cette partie type de moteur, on a introduit la notion de simple flux, double flux, donc le nombre de flux d'air. Et ensuite, on va avoir aussi un deuxième élément déterminant dans les moteurs à action, ce qu'on appelle les corps. Simple corps, double corps, triple corps. Donc là aussi, c'est assez simple à comprendre. En fait, les corps, c'est les arbres. Donc là, on voit simple flux, on l'a vu tout à l'heure. Simple corps, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul arbre au milieu. Mmh. C'est-à-dire que tous les étages de turbine qu'on voit ici, donc là, on en a trois. Hein, ouais. Tournent en même temps et sont liés physiquement par le même arbre à tous les étages de compresseur. Donc là, on en a 3 et 3, 6, on en a 8, sur le même arbre. Il y a tout qui est sur le même arbre. Oui, d'accord. Donc, je pense que vous me voyez venir, le gros inconvénient du simple corps, c'est la masse inertielle associée à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, on a 8 étages de compresseur liés à 3 étages de turbine avec un seul arbre. La masse de tout ça liée... C'est énorme. C'est énorme, ce qui fait que à entraîner, là pour le coup, on est vraiment sur une inertie qui est phénoménale. Donc c'est long à entraîner, mais aussi long à arrêter. Donc même chose, voilà, ça c'est un système qui est plus utilisé, ou du moins très peu, qui est plus utilisé dans l'aviation moderne. Et ensuite, on va avoir les double corps ou triple corps. Donc là, on a un exemple de double corps en dessous. Donc le schéma est assez bien fait parce qu'il y a un système de couleurs. Et en fait, on voit qu'on a deux arbres qui sont concentriques. Donc là, si on regarde sur notre partie turbine, on a 4 étages de turbine. On a les parties vertes et la partie jaune. Et bien en fait, la différence, c'est qu'on a ces deux étages de turbine, donc 1 et 2 en vert, qui sont physiquement liés par un arbre à ces étages de compresseur-là. Ouais. Et on a deux autres étages de turbine qui sont totalement décorrélés des turbines vertes, et qui, elles, avec leur propre arbre, entraînent les étages de compresseur qui sont devant. Ce qui fait qu'au niveau des masses inertielles, ça réduit énormément, et surtout, ça autorise des vitesses de rotation différentes au niveau des compresseurs et des turbines. Ah bah tiens, je vais reprendre mon petit pédagogique. Exactement. Alors pourquoi il peut y avoir des vitesses différentes? Eh bien, je vais tout simplement vous prendre le principe de votre hélice. Alors, sur votre Cessna 150, une fois de plus, on sait quand un objet tourne, il a une vitesse de rotation. Et sauf que le problème d'un avion à piston avec une hélice, eh bien c'est qu'en bout de pale, au bout de la pale, la vitesse de rotation est plus forte qu'au niveau de la base de la pale. Mmh. Ouais. Et on se retrouve limité par quoi? Ben, par la vitesse du son. Ah oui. Exactement. On se retrouve limité par la vitesse du son. Et par ce principe-là de double corps, du fait que, ben, on le voit vraiment sur le schéma, il y a des diamètres qui sont différents. Eh bien, on peut jouer sur des vitesses de rotation différentes, c'est-à-dire que les parties de compresseur qui ont des diamètres plus petits peuvent tourner plus vite que les éléments de compresseur qui ont des diamètres plus gros, qui eux, ben, par rapport à ce problème-là de vitesse de son en bout de pale, sont obligés de tourner moins vite. Ouais. Ce qui permet, une fois de plus, améliorer le rendement. D'accord.
Est-ce que j'ai été clair dans mes explications? Là, si je comprends bien, donc le compresseur vert avec la turbine verte, là, ça concerne le flux d'air chaud. Oui, tout à fait, exactement. Le compresseur jaune, lui, il gère, enfin, gérer entre guillemets, le flux d'air froid. Ah, alors, pas tout à fait, mais bon, il gère flux d'air chaud et flux d'air froid. D'accord. Ah oui, parce que regarde, il envoie dans les deux. Parce que l'on fait là. Après notre partie compresseur jaune, il y a une partie qui vient justement sur la partie compresseur verte, qui est flux d'air chaud, et il y a une partie qui passe en effet, alors là, elle est infime, elle est toute petite, elle est autour. Ouais. Qui s'échappe par ici, qui est pour le coup le flux d'air froid. Ouais, d'accord. Ok. Et donc on a le triple corps. Donc lui, bah, si double corps c'est deux arbres, on va avoir triple corps c'est trois arbres. Où bah, là on voit en orange, en vert et en jaune. Donc la partie orange qui tourne toute seule avec la partie orange de la turbine qui tourne, qui entraîne la partie orange du compresseur. La partie verte de la turbine qui entraîne la partie verte du compresseur. Et sur ce genre de système triple corps qui est quasiment, alors je dis quasiment parce qu'on pourra, en aviation on trouve toujours des contre-exemples, hein, qui est quasiment uniquement utilisé sur les réacteurs d'aluminium, on a des étages de turbine qui servent uniquement à entraîner le gros, donc si tu peux reprendre ton outil pédagogique, Seb, ce sera parfait. Ah, le premier étage devant qui est le fan. Ouais. La grosse hélice devant qui est carrée. Voilà, exactement. Donc, on a une partie sur les triples corps, souvent, des étages de turbine qui ne servent qu'à entraîner le fan. Alors, pourquoi ? Ça revient, l'explication est très simple, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez clairement la différence de taille physique, hein, de diamètre, entre la partie verte ici et la partie jaune ici. D'accord. Ouais. Donc, en fait, ça nous permet de gérer des vitesses de rotation différentes et d'optimiser chaque partie du réacteur pour qu'il tourne à sa vitesse optimale. Alors, j'ai une question bête, tiens, on est là, puisque j'ai l'outil pédagogique ici. Pas de question bête, c'est bête. À quoi ça sert, ça, la spirale qui est devant ? Ha ! Moi, je sais. Bah, tiens, on pose la question sur le chat. C'était sur le Messerschmitt 109, pour faire peur aux gens. Hypnotiser les pilotes ennemis. Ah bon ? C'était ça ? Ils ont dit sur le 109 ? Non. Enfin, ça hypnose, hein, parce que... parce que ça tourne et puis les spirales. Alors, en effet, il y a cette explication là. C'est ce qu'on disait sur les messages pour faire peur aux oiseaux. Voilà. Moi, j'ai pas la même explication, mais. Ah. Vous avez dit que en tournant, ça faisait peur aux oiseaux et du coup, ça les éloignait. Bon. Ouais, je pense que quand ils sont en vol. Et dans l'île de la jungle, quand on voit le serpent avec les yeux qui font pareil, c'est ça. Hein. Bah alors, c'est quoi notre explication du coup? Alors, je pense que c'est une. Je pense pas qu'il y ait une seule bonne explication. L'explication que moi j'en ai, c'est que c'est un détrompeur pour les pilotes, pour s'assurer que le moteur tourne bien. Ah. Parce qu'en fait, quand c'est comme tout, comme beaucoup de choses. Je pense que vous avez déjà vu voir ça, mais pas que sur les moteurs. Quand ça tourne à grande vitesse, on a l'impression que c'est statique. Mmh. Ouais, c'est ça. On a l'impression que ça tourne pas. Ça tourne tellement vite qu'on a l'impression que ça tourne pas. Or, avec ce cône et ce filet de peinture. Bah, quand le filet de peinture ne tourne pas, on voit qu'il est statique, puisque vu qu'il est peint en tortillon, bah, le tortillon ne bouge pas. Alors qu'un tortillon qui tourne, c'est ça se voit. Ouais. Est-ce que là, je vois le fan, ça me fait penser en fait à la turbine avec l'hélice, mais carénée. Comme si c'était l'hélice d'une turbine, mais carénée. Tout à fait. D'accord. C'est un peu le même principe. Justement, on va en parler après, parce que la question qui se pose, c'est OK, quel est l'intérêt d'avoir ce type de double flux et quel est l'intérêt d'avoir ce type de double flux ? En fait, il y a des avantages et des inconvénients à chacun, et c'est pour ça qu'ils sont utilisés dans deux types d'aviation différentes. Ce type de double flux-là, avec un fan, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien compris, c'est utilisé énormément en aviation commerciale. Ce type de double flux-là est quasiment exclusivement utilisé pour tout ce qui est aviation de chasse. Ouais. On va en parler justement. On va en parler après parce que ça rentre dans les caractéristiques justement d'un moteur. On en entend souvent des fois parler. On entend des mots taux dilution, etc., etc. Donc alors, en fait, c'est très simple à comprendre et ça explique clairement le pourquoi du comment. On a trois questions sur le chat si tu veux bien, Cédric. Oui, bien sûr. Alors la première, c'est Pogfly qui la pose, enfin plutôt qui dit le flux secondaire représente 80% de la poussée si je ne m'abuse. C'est exact? L'air froid, le flux froid en fait. Le flux secondaire, ouais, le flux alors, froid. Alors, justement, très bonne question, on va en parler après, ça dépend du taux de dilution. C'est ce qu'on appelle le taux de dilution, mais sur les plus gros avions, j'ai mis des exemples chiffrés à la fin.
Mais en effet, ça va même sur les tout dernières générations de moteurs, vraiment les tout derniers, ça va même au-delà. Okay. C'est-à-dire qu'il y a 85, un peu plus même de 85% de la poussée qui est créée uniquement par cette partie-là. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume vulgairement, il y a 85% de la poussée qui est créée par un déplacement d'air qui finalement n'est jamais brûlé. Puisque ouais. L'air qui passe ici, hein, vous le voyez, passe pas du tout dans la chambre de combustion. Ouais, il est juste soufflé en fait. C'est il est juste soufflé. C'est pour ça que c'est comme tu as dit, super Nico, c'est une grosse, grosse hélice. Ouais. En okay. fait, on utilise D'accord. cette grosse hélice pour prendre une énorme masse d'air qu'on va mettre vers l'arrière sans la brûler. Et c'est uniquement la quantité d'air qui est poussée vers l'arrière qui fait avancer l'avion vers l'avant. Okay. Et du coup, nos 15% qui vont rester ici, hein, parce que du coup, on a quand même 15% qui sont produits par le principe des actions réciproques qu'on a vu, action-réaction. Hein. Finalement, 15%, c'est rien. Donc en fait, à quoi ça sert le fait de brûler tout ça? Ça sert juste à faire tourner le premier qui est devant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire okay. qu'on a 15% qui nous sert pour okay, nous aider à avancer, mais surtout, toute l'énergie et tout le carburant qui est brûlé dans cette chambre de combustion, il sert à faire tourner uniquement ce premier étage ouais. Pour pouvoir produire les 85% de poussée. Ok. Alors, on a une autre question de Jérémy qui dit « Le double corps et le triple corps ont-ils une influence sur le carburant utilisé ou pas du tout par rapport au simple corps ?» Bien sûr, tout à fait. Okay. Ça a même une très très grosse influence. Alors, ça a une influence à trois points de vue. Le premier, c'est clairement la consommation du carburant, hein, puisqu'on a parlé des vitesses de rotation optimisées. Donc, à un moment donné, quand on est là, on va être limité par la vitesse de rotation du compresseur à l'avant, hein, ce qui fait que tout le reste pourrait tourner plus vite, mais ne va pas tourner plus vite. Et ce qui fait que forcément, au niveau de la gestion carburant, au niveau des masses, hein, bah, plus c'est lourd, plus la consommation en carburant est énorme. C'est un des principes. Le deuxième problème, la deuxième chose qui influence beaucoup, c'est la stabilité du moteur. On l'a dit, à cause de cette inertie-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on peut avoir ce qu'on appelle les décrochages compresseurs. C'est qu'en fait, le moteur a tellement d'inertie à accélérer, à décélérer, que le flux d'air a énormément de mal à passer entre les différents étages et à un moment donné ça bloque et ouais. le moteur coupe. Ok. Tout seul. Ok, ok. Et la troisième chose, c'est là où il faut aujourd'hui au niveau engineering, des fois des triple corps, double corps, chaque constructeur de moteur a son propre avis, c'est la maintenance. Parce que vous vous doutez bien que par contre, à contrario, un simple corps est plus facile à entretenir qu'un double corps. Ouais. Puisqu'un simple corps c'est un arbre, il y a des roulements. Et voilà, si vous multipliez le nombre d'arbres, vous multipliez le nombre de roulements, vous multipliez le nombre de systèmes, et forcément, au niveau maintenance, c'est plus lourd, c'est plus cher, etc. etc. Ouais. Mais pour la partie efficacité et consommation, il est clair et net qu'un simple corps va consommer beaucoup plus et va être beaucoup moins efficace qu'un double corps ou qu'un triple corps. Ok. Autre petite question de Ben Moll. Donc sur un triple corps, on pourrait presque dire que le fan fonctionne comme une turbine libre. Voilà, comme oui, je disais. Exactement. Mmh. Excellente remarque. Ok, ça j'ai, marche. J'ai une petite question. Des fois, sur les aéroports, on voit les avions de ligne avec leur fan, là, leur moteur. Et puis l'avion ne tourne pas. Le fan tourne et puis on entend clic, clic, clic. Ah, c'est dû à quoi ah. Donc il ne faut pas monter dans l'avion peut-être. Ah. Exactement, c'est qu'il est cassé. Ah non, pas du tout. Alors ce petit clic, 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 alors je ne sais pas si j'ai une photo qui ici. Peut-être, voilà, on va le voir sur celle-là. Et là, en fait, je pense qu'on répondra à la question de Dave Jeanlin juste après, qui dit on entend parfois le terme de post-combustion. Donc ça, je pense que ça arrivera après, Dave. Ouais. Un petit peu de patience, ça arrive. Alors pour répondre à ta question, Nico, on voit ici que bah, là, parfaitement, on a un fan. Et on voit que donc c'est mini-hélice, hein, tu as qualifié ça de mini-hélice, ça s'appelle des aubes. L'aube, elle est fixée sur l'arbre qui est là. Sauf qu'en fait, si on reprend le principe de masse inertielle, même si c'est lié qu'à un ou deux étages de turbine et qu'il est tout seul, la masse que ça représente, comme je t'ai dit, si tu prends un diamètre de 3,40 m, tu doutes bien que la masse est énorme. Ouais. Et quand tout ça tourne à 5000 tours minute, les forces, même chose, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que là, ça devient vraiment technique, mais les forces qui sont engendrées au niveau de la fixation ici est juste énorme. Donc en fait, ce qui est fait, c'est que ces aubes-là, elles sont montées avec un peu de jeu. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, par le principe de force centrifuge, quand ça va se mettre en rotation, elles vont trouver toutes seules l'équilibre, leur équilibre,
qui font que c'est à ce moment-là où elles auront le moins d'efforts et le moins de contraintes qui vont être appliquées à leur implanture. Donc c'est un jeu de fonctionnement nécessaire pour le, la bonne stabilité du moteur. Mais du coup, comme il y a un jeu, eh ben, quand ça ne tourne pas assez vite, eh ben, l'aube elle fait gauche-droite, 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 gauche-droite. Et en fait, c'est, les, c'est le bruit de l'aube qui touche les, ce petit jeu que tu as en train de. Donc en fait, c'est, à contrario de ce qu'on disait au début, c'est un symbole de bon fonctionnement du moteur. Ah, donc il faut que ça fasse clic-clic alors. Bon, en effet, il faut que ça fasse clic-clic à l'arrêt quand ça tourne. Ça okay. me rassure. Je me dis, c'est une clé à molette qu'ils ont oubliée. Non, non, non. Donc, si je reviens sur mes petites caractéristiques, justement, je vous ai parlé, il y a deux facteurs dont on entend souvent parler quand on parle de moteur à réaction, c'est le taux de dilution et le taux de compression. Le taux de compression, c'est assez simple, le nom parle de lui-même. C'est-à-dire que je prends une quantité, un volume d'air à l'entrée. Une fois qu'il arrive dans ma chambre de combustion, je regarde le volume qu'il fait, je compare les deux volumes, c'est mon taux de compression. Si je vulgarise, ouais. c'est ça. C'est, j'ai pris 1000 litres à l'entrée. À la fin, ça fait plus que 10 litres. Ben, voilà, j'ai un rapport de 1%. Donc ça, c'est le taux de compression. Forcément, plus la compression va être élevée, plus la température va être élevée. Puisque petit principe de rappel qui fonctionne dans tous les moteurs, hein. Réaction ou à piston, c'est pareil. Quand je prends de l'air, quand je le comprime, on est dans un moteur parfait, qui n'est jamais le cas, mais on considère un moteur parfait, on considère qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Et donc, c'est exactement comme vous, hein. Vous prenez de l'air, vous écrasez une bouteille, vous avez l'impression que l'air à l'intérieur de la bouteille est plus chaud. Ouais. Parce que forcément, comme on comprime l'air, on rapproche les molécules les unes des autres, on les fait s'entrechoquer et du coup, ça produit de la chaleur. Donc voilà, l'avantage, c'est que plus le taux de compression va être fort, ben meilleur va être le rendement. Hein. Par contre, ben plus le taux de compression va être fort, plus la température dans la chambre de combustion va être aussi élevée. Donc après, il faut les matériaux qui résistent à ces températures. Le taux de dilution, et c'est surtout ça qui va nous intéresser pour faire le comparatif entre notre Rafale et notre A350. Le taux de dilution, c'est le rapport de la quantité d'air, du flux d'air froid sur le flux d'air chaud. C'est-à-dire, ouais. c'est le rapport entre la quantité d'air qui n'est pas brûlée, donc qui passe autour, donc c'est celui-là, hein, c'est ce qu'on appelle le bypass fan air, et le flux d'air chaud qui lui est brûlé. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de dilution. Et donc, comme l'a très bien dit l'auditeur tout à l'heure, hein, l'abonné, sur les avions de ligne, on va avoir 80 à 85% de la poussée qui est créée uniquement par ce flux d'air froid. Ce qui fait qu'on a un très fort taux de dilution. L'énorme avantage de ça, c'est quoi ? Bah, si 85% de la poussée est créée par quelque chose qui ne brûle pas, ça veut dire que la consommation de carburant est faible. Enfin, est faible. Tout est relatif. Mais forcément, la consommation de carburant, elle est adéquate à la quantité d'air qui passe dans la chambre de combustion. Si le taux de dilution est très faible, bah, en fait, on a beaucoup d'air qui est cramé avec beaucoup de carburant. Mmh. Et là, la consommation de carburant est extrêmement forte. Ok. Donc, si je prends mes petits exemples de spécification, là, je vous ai donné les deux, deux exemples de réacteurs d'avion ligne utilisés sur 350 avec ces petites caractéristiques. Chaque moteur, comme vous le voyez, et c'est là où c'est la valeur est quand même assez impressionnante, développe, donc si on prend le 97, 430 kN de poussée. Oui. Donc pour vulgariser, on enlève un zéro, ça veut dire que chaque moteur développe 43 tonnes de poussée. C'est énorme. Wow. C'est plus que ta voiture. Je pense que j'ai mangé du cassoulet ou pas. C'est une autre histoire. Et ensuite, ben, si on prend ces caractéristiques dont on vient de parler, eh bien celui-là, il a un taux de dilution de, approximativement, si on arrondit, de 10 pour 1. Ça veut dire que pour 10 kg d'air qui passe par le flux d'air froid, on a à peine 1 kg
qui va être brûlé. Et ouais, sur ces 1 kg qui va être brûlé, on va le comprimer 50 fois. Ouais, c'est énorme. Puisqu'on a, on a un taux de compression de 50 pour 1. Et ce qui fait qu'à la fin, on a quand même ces chiffres-là. Le rapport poids-puissance, on entend beaucoup parler pour tout ce qui est voiture, moto. Le rapport poids-puissance, et ben en fait, là, on a exactement la même chose sur le moteur d'avion. On a un rapport poids-puissance, et on a un rapport poids-puissance de quasiment 6. Ce qui fait quand même un excellent rendement. Donc maintenant la question qui se pose, c'est de se dire ok, on a très bien compris pour les avions de ligne, l'intérêt c'est ça, mais du coup qu'est-ce qu'il en est pour les avions de châssis? Exemple typique, ce genre de réacteur comme vous en avez parlé, ça peut être celui d'un avion de chasse. Aujourd'hui, si je vous donne le taux de dilution, alors de mémoire, hein, m'en voulez pas si je me trompe à 0,2, 0,3 près, je crois que le taux de dilution du Rafale, on est sur quelque chose comme 0,8. Donc on a un taux de dilution inférieur à 1, là où on est sur un taux de 10 pour 1 pour un moteur d'A350. Donc autant vous dire que le flux d'air froid, lui, la quantité de poussée qu'il génère, il génère rien du tout. En fait, c'est juste donc, fait pour refroidir le moteur, on peut dire. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que ce flux d'air froid-là, il va servir uniquement à refroidir le moteur. Et là, par contre, on va utiliser la quasi-totalité de l'air pour créer la poussée. Mais c'est aussi ça qui fait la différence. Si on prend, on a parlé notre 777 avec son entrée d'air qui fait 3,40 m de diamètre. L'entrée d'air du Rafale, vous avez vu qu'elle ne fait pas 3,40 m de diamètre. Du coup, ce qui fait, et c'est ce qui fait aussi la différence entre les deux, le problème du fan, des moteurs à fan, à cause de sa taille et des problèmes de vitesse de son en bout de pale, et bien on est limité. Il va être limité en vitesse. On ne va pas pouvoir dépasser les Mach 0,9, ce genre de choses-là. Alors que avec des moteurs à réaction type Rafale qui sont de taille beaucoup plus petite, qui consomment certes beaucoup plus de carburant, mais qui sont beaucoup plus petits, on va créer beaucoup plus de poussée, on est moins limité en vitesse de rotation, et ce qui fait que là, avec des bons profils aérodynamiques d'avion en plus du profil du moteur, on peut atteindre des vitesses de Mach 2 sans aucun problème. D'accord. Okay. Donc c'est vraiment au niveau. Par contre, forcément, les consommations carburant ne sont plus du tout les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que la consommation carburant que va avoir un avion ligne à l'heure, ça peut s'apparenter à la consommation de carburant que peut avoir le même type un avion de chasse à la minute. Oui. En exagérant un peu. Donc on a un peu un rapport de 1 pour 50, 1 pour 60 au niveau de la consommation. Donc c'est pour ça que le chasseur, il est tout seul. Exactement. Un avion de chasse seul, il va avoir du mal à faire Paris-Santiago du Chili sans ravitailler. Ça va être très compliqué. Ouais. Ok, il y a Jordan qui pose une question qui dit « Est-ce qu'il y aura une partie avec la formule chimique de la combustion ? C'est pour savoir si le nombre de molécules d'air est égal avant et après la combustion. » Alors, bonne question. Excellente question. Là, on rentre vraiment dans les détails. C'est ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle les cycles théoriques et les cycles pratiques. Les cycles pratiques. En théorie, si on prend la théorie d'un moteur, un moteur parfait de chez parfait, on est censé avoir le même nombre de molécules d'air en entrée qu'en sortie. Enfin, le même nombre de molécules en entrée qu'en sortie. En pratique, c'est pas le cas. Puisque quel que soit le système, hein, c'est pas lié au moteur. Aucun système n'est parfait. Et après, on a des principes d'entropie et d'enthalpie à l'intérieur des moteurs. Réels qui font que l'équilibre n'est pas parfait et qu'on n'a pas, au réel, on ne l'a pas. Oui, voilà. Bon, on ne va pas rentrer spécifiquement dans ces détails-là. Non, parce effectivement, Jordan disait, j'aurais dû parler de molécules de gaz. Je d'atteindre les limites de mes capacités, je pense. Je ne suis pas ni physicien, ni chimiste. Mais ça serait une bonne question à poser à nos amis de PocScience. Je pense à Robin, par exemple. Exactement. Ok. Avant-dernière partie, rapidement, les composants auxiliaires. J'en parle vite fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, sur votre voiture, vous avez le moteur qui tourne et vous avez un alternateur qui vous donne de l'électricité. Vous avez une pompe de clim qui vous donne la clim, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il en est sur un moteur à réaction ? Et ben, en fait, c'est la même chose.
C'est la même chose, sauf que sur votre voiture, on entendait parler souvent, bah, ok, la courroie alternateur a cassé, la courroie, même chose, la courroie accessoire a cassé. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, quand le vilebrequin qui entraîne vos roues tourne, on met des courroies dessus, et forcément, quand le vilebrequin il tourne, ben, il entraîne les courroies qui entraînent l'alternateur, etc., etc. Sur les moteurs à réaction, c'est le même principe, si c'est que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas mettre de courroie, c'est un peu compliqué. Donc en fait, sur les moteurs à réaction, à un moment donné sur l'arbre, donc j'ai mis cette photo là parce qu'on le voit assez bien. Donc sur l'arbre qui lie la turbine au compresseur, on va mettre un système d'engrenage. Donc là, vous voyez, c'est deux engrenages à 90 degrés. Hein, donc l'arbre tourne et en tournant, eh bien, il entraîne cet engrenage. Mmh. Et cet engrenage, lui, ben, forcément, vu qu'il tourne, on lui met un arbre. On lui met un autre arbre et autour du moteur, donc c'est cette partie-là que vous voyez ici, hein, c'est ce qu'on appelle la gearbox. Et bien cet arbre-là, en entrée de gearbox, lui, et bien il fait le même travail que votre courroie sur votre voiture, c'est-à-dire que lui il tourne et à l'intérieur, et bien on va retrouver tous les éléments auxiliaires. Donc on va retrouver, alors ça ne s'appelle pas un alternateur, hein, mais c'est une génératrice, mais ça fait le même effet, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous produire l'électricité dans l'avion. On va retrouver tout ce qui est pompe hydraulique. Pour les circuits hydrauliques de l'avion, et on va retrouver toute la partie de la clim, etc., etc. Dans tous les systèmes auxiliaires de l'avion. Ok. Donc tout ça entraîné par un shaft marqué. Exactement, par un arbre. Cher à notre ami Denis, shaft. Exactement. Donc ce qui fait que, vous vous doutez bien que si le moteur tombe en panne et ne tourne plus, bah, tout ce qui était lié... la production d'électricité qui était liée par cet arbre-là, elle est arrêtée. La production de clim, elle est arrêtée. Il y a tout qui est arrêté. Ouais. Donc c'est. Et à savoir chaud. Que, alors, petite particularité aussi qui est vraiment différente de la voiture, cet arbre, il tourne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, là, en l'occurrence, quand ça tourne en fonctionnement normal, l'arbre tourne et du coup, il entraîne tous les accessoires qui sont dedans. Mais sur beaucoup d'avions en ligne, les démarreurs que vous voyez, qui sont ici, contrairement à votre voiture qui sont des démarreurs électriques, ce sont des démarreurs pneumatiques. Mmh. C'est-à-dire qu'on va utiliser de l'air pour faire tourner dans un premier temps le compresseur et la turbine. On va envoyer l'air sous pression sur le compresseur à la turbine, ils vont commencer à tourner, on va commencer à mettre de l'essence, et quand ben, du coup ça tourne assez vite, comme on l'a dit au début, le système est auto-entretenu. Ouais. Et bien ben, en fait, par le démarreur pneumatique qui est ici, et ben, en fait, on va utiliser cet arbre-là, mais du coup en fonction inverse. Donc c'est-à-dire au lieu que ce soit le moteur qui entraîne l'arbre, et bien là cette fois-ci c'est l'arbre qui va entraîner au début le moteur. Donc il y a un truc qui embraye ou qui débraye en fonction de ce dont on a besoin. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Ok. Voilà pour ça. Donc les spécifications, on en a parlé. Hein. Donc c'est juste pour vous donner des chiffres pour que, et pour voir un peu où on en est aujourd'hui au niveau des technologies et quelles sont les valeurs qu'on peut avoir. D'accord. Et donc, même chose si je peux m'appesantir sur les chiffres ici pour illustrer tout ce qu'on a dit. Ici, on a la vitesse de rotation. Donc on voit que le train de 84 et le train de 97 sont des triples corps. Puisqu'on a trois vitesses de rotation, donc ce qui veut dire trois arbres. Ouais. Et on voit très bien l'avantage du triple corps sur ce coup-là. Avec LP, c'est pour low pressure, donc c'est le fan. Ok. Okay. Donc c'est le gros truc qui est devant. Intermédiaire pressure, c'est ce qui est au milieu. Et high pressure, c'est ce qui est forcément le plus proche de la chambre de combustion. Et comme on l'a vu tout à l'heure, plus on se rapproche de la chambre de combustion, plus le diamètre se rétrécit. Et donc, en théorie, si le diamètre se rétrécit, ça peut tourner de plus en plus vite. Et bien, voilà qu'on va quand même de 12 600 tours pour la partie high pressure à peine 2700 pour la partie fan. Ouais. Donc, si on n'avait pas ça, ça veut dire qu'il faudrait que tout tourne à la même vitesse. Ouais, c'est ça. 4 fois moins, quoi, quasiment. Ouais. Et on voit, même chose, ça vous rappelle rien, 2700 tours, Salut Nico? Ouais, si, c'est le régime de rotation des moteurs à piston, à peu près. Ouais, c'est le régime maximal de... Et pourquoi? Parce qu'on en revient au même principe, hein, parce qu'au-delà de 2700 tours, on arrive à la vitesse du son en bout de balle. Et ben, c'est exactement le même principe pour tout ce qui est moteur à réaction. Ok. Alors, on aimerait que le fan tourne plus vite, hein. On aimerait que le fan tourne plus vite, ça serait top.
Mais le problème, c'est que s'ils tournaient plus vite, on a exactement les mêmes problèmes. Eh ouais. Petite anecdote, pour ceux qui ont fait des meetings avec le T6, souvent il y a un bruit bizarre hein, quand le T6 il passe. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est le bout de pale de l'hélice du T6 qui passe au mur du son. Voilà. Donc ça claque. Ouais. Ça claque. Ok. C'est impressionnant à entendre. Ben voilà, du coup, on a la réponse en chiffres. Ah ! Avenir et futur type de moteur. Exactement. Ah. Donc là, moteur à huile de friture. Pour conclure, on a vu ce qui existe aujourd'hui hein, sur le marché. Maintenant, question ouverte, qu'est-ce qui va exister plus tard dans le futur? Quels sont les futurs systèmes de motorisation qui sont, on va dire, déjà en cours de développement, pour certains, dans un statut bien avancé, pour d'autres, qui sont toujours pour l'instant en état de projet. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. C'est juste des pistes par rapport à ce qui se fait, par rapport au projet, au communiqué de presse qu'il y a pu y avoir dans le monde de l'aviation. La première chose qui vient tout de suite, c'est les moteurs fonctionnant au SAF, hein, donc SAF pour Sustainable Aviation Fuel. Le principe de fonctionnement lui-même reste le même. C'est juste le carburant en lui-même qui est sustainable, c'est pour ça qu'on appelle ça sustainable, c'est-à-dire que moins de production de CO2, beaucoup moins de production de CO2, moins de pollution, etc., etc. Donc c'est la première étape vers la décarbonisation totale de l'industrie de l'aviation commerciale. Ouais, d'accord. À savoir que c'est étudié pas que sur les gros avions. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi étudié l'utilisation du SAF, parce que le SAF est très proche du jet. Hein. Il est aussi étudié pour l'utilisation sur tous les avions qui fonctionnent en jet, ouais. Y compris les avions légers qui fonctionnent en jet. Ok. Ensuite, on va rentrer dans des concepts déjà beaucoup plus théoriques. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'avion qui s'appelle le Boom. C'est un concept qui reprend c'est une start-up américaine, je crois. Le principe du Concorde normalement mieux, puisque je crois que de mémoire de ce que j'ai lu, il reproduit le principe du Concorde, mais le boom supersonique est réduit de. C'est quelque chose qui est monumental au niveau du son produit par boom supersonique, il serait à peine audible. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent pour l'instant, ça n'a pas encore volé, donc on ne peut pas savoir. Mais dans tous les cas. Il y a un moteur spécifique qui est en cours d'élaboration que pour cet avion-là. Donc on le voit, ça ressemble quand même fortement au système qu'on a vu avant. On n'est pas non plus sur une révolution. Néanmoins, sans trop entrer dans le sujet, parce que même moi, je n'ai pas les informations, parce que vous doutez bien que ça reste... Il y a une secret commercial derrière. Ils annoncent des technologies nouvelles qui réduiraient fortement la consommation et également le bruit, les nuisances sonores, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que le côté, on parle beaucoup de la décarbonisation liée à la consommation, aux émissions de CO2, mais le côté sustainability ne passe pas que par la réduction des émissions de CO2, ça passe aussi par les réductions d'émissions sonores et tout un autre tas de choses. Ouais. Et ensuite, on va avoir, donc là on est sur deux autres concepts. Alors un qui est quand même assez abouti, hein, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Salon du Bourget cette année, il y avait une maquette grandeur nature du moteur Safran qui était là, qui est un concept vraiment nouveau. Même chose, pour l'instant il y a peu d'informations qui fuitent sur le concept, surtout sur les rendements, sur l'efficacité de ce moteur-là. C'est ce qu'ils appellent l'open rotor. Donc en fait ça ressemble étrangement à un fan, hein, à un fan engine, mais sans carter. Et surtout, il y a un deuxième étage qui est derrière, que vous voyez qui est ici. Hein. Il y a un deuxième étage derrière et il n'y a pas de carter autour. Ouais. Donc ça, c'est un nouveau concept développé par Safran. Et ensuite, vraiment quelque chose de... C'est pas la 400M qui a des hélices comme ça? Le design, il ressemble, mais il n'y en a qu'une. Mais c'est pas... Ouais, c'est contre un rotatif, je crois. Mais en fait, c'est un peu un mélange. C'est exactement ça, Nico. C'est-à-dire que,
on a un mélange vraiment de fan engine et de ce qu'on voit sur la 401, parce que la 401, il a un nombre d'hélices bien déterminé, ça reste vraiment des hélices. Ouais, là, on voit que c'est vraiment, c'est comme des hubs de fans. Hein. Ouais. On peut les compter, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à des hubs de fans. Mais néanmoins, il n'y a plus de carter autour. Ouais. Donc, au niveau du comportement, c'est encore différent. Et donc, le dernier, alors, c'est pas futuriste, c'est pas la science-fiction. C'est le sabre laser de Luke Skywalker. Presque. Alors ouais, sauf que c'est un, il y a des essais scientifiques qui ont réellement été menés dessus, même si les résultats n'ont pas fuité, c'est chinois. Et il parle d'une réaction carrément d'un moteur à plasma, donc qui lui fonctionnerait de manière vraiment différente du moteur qu'on connaît, parce qu'il utiliserait l'énergie du plasma pour créer la propulsion. Donc voilà, donc c'est futuriste sans l'être, hein, parce que c'est plus qu'à l'état de projet. Apparemment, ils sont déjà sur des tests dessus, même si on peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'on fait des tests sans réellement les faire. Mais officiellement, ils sont déjà en train de mener des tests sur ce genre de réacteur. Ok. Et c'est chinois. Bon. À voir. Ouais. À voir, on va attendre. Moi, j'ai acheté un t-shirt qui venait de Chine. Pas top. Il manque un D. Hydrogène. Ouais. Hydrogène ou pile nucléaire ? Hydrogène. Ouais, tout à fait. Donc, la dernière chose qui est dans l'actualité, qui est la même chose qui est dans l'air du temps, hein. L'hydrogène, donc là, c'est vraiment des. J'ai mis des points d'interrogation puisqu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de développement. Je pense que vous avez entendu parler dans la presse aéronautique, on en parle, hein, de l'horizon d'Airbus pour les fuel cells à hydrogène. Ça fait partie aussi des pistes de nombreux motoristes, mais même chose, pas forcément que sur les avions commerciaux, de faire des moteurs à hydrogène. Donc il y a tout un tas d'essais qui sont faits dessus, et même des concepts maintenant, des concepts qui en sont en phase de réalisation, hein. Donc ça reste du concept, mais on est vraiment sur quand même de la phase de réalisation où on va se retrouver avec des moteurs au lieu d'avoir ce qu'on connaît, on est vraiment dans un concept différent. Je peux vous donner 2-3 informations là-dessus parce que j'ai participé à 2-3 conférences sur ça. Au lieu de se retrouver avec 2 ou 3, bah, les 2 moteurs comme on connaît, on va se retrouver avec 6, 7, 8 moteurs par aile, mais ça va être des micro-modules qui seront gérés. On va me dire tout de suite, 8 moteurs par aile, ça fait 8 manettes, ça fait 16 manettes au total. Non, en fait, on gérera les 8 moteurs sur une manette. Ah oui, d'accord. Ça sera une monomanette avec... Et c'est des micro-modules, c'est pas des moteurs comme on les connaît, qui pèsent. C'est des micro-modules interchangeables. Ouais, donc on miniaturise, en fait. C'est un peu comme... C'est un peu comme on voit les transporteurs avec plein de petites hélices comme les drones. Ouais. Avec les passagers, ouais. Hein, et puis plein de petites hélices, alors que c'est comme un hélicoptère, sauf qu'il y a plein de petits moteurs. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc ça fait partie des concepts. Ensuite, pour les gros, pour les avions commerciaux, ben voilà, on a le moteur à hydrogène, pur et dur, qui est en cours de développement par plusieurs motoristes. Ça avance bien. Et ensuite, se pose la question aussi, la pile nucléaire. Ouais. Puisque la pile nucléaire est déjà utilisée dans certaines industries très spécifiques, pour le coup, elle, avec tous les désagréments et tous les avantages du nucléaire, hein, après, je ne suis pas là pour juger, a quand même un énorme avantage au niveau de rendement énergétique. Donc, bon, voilà, se posent ces questions-là de l'utilisation éventuelle, pourquoi pas. On peut imaginer que dans un futur plus ou moins lointain, hein, ça peut être 30 ans, 50 ans, 150 ans, on ne sait pas, hein, on ne sera peut-être jamais là pour le voir, mais des moteurs qui fonctionneraient avec des piles nucléaires qui finalement auraient peut-être plus besoin d'être rechargés électriquement. Voilà, ils auraient une demi-vie, le moteur dure 50 ans, il tourne pendant 50 ans. Un peu comme ce qui est fait, hein, aujourd'hui sur les porte-avions nucléaires, les sous-marins nucléaires, le moteur enferme, quand le porte-avions est au port, le moteur tourne. Hein. Ouais. C'est juste qu'il est débrayé. Parce qu'une réaction nucléaire, une fois qu'elle est enclenchée, elle est enclenchée. Hein. Ouais. Donc voilà. Ok. Bon, bah, à suivre, hein, cette technologie. Il y a Ben Moll qui a répondu d'ailleurs, plasma gaz ionisé, puisqu'il y avait Jordan qui posait la question. Je crois, ou non, c'est 0K qui pose la question, c'est quoi du plasma? Donc voilà, c'est un gaz ionisé, on arrache et on enlève des électrons aux atomes et aux molécules, et on peut les accélérer avec un champ électrique, et il précise que ces moteurs existent déjà dans le spatial, donc dans le vide, et le défi doit être de fabriquer des moteurs assez puissants qui fonctionnent en atmosphère. Ouais, voilà. Bien résumé. Du coup, j'ai aussi appris quelque chose. Je n'étais pas aussi renseigné sur les moteurs à plasma. Des avions nucléaires, ça existe. Ça existe déjà. Ouais. 1955. Ça a existé, oui. Ils ont fait des tests, mais je crois que ça n'a pas trop bien fonctionné, je crois, de mémoire, Nicolas. Ouais, enfin, si, ça fonctionnait, mais
Je veux dire, c'était trop dangereux et puis ils ont arrêté. Le cockpit était capitonné de plomb, donc c'était un peu lourd. Oui, enfin, oui, oui. C'est le NB-36 en 1955, ils avaient Peacemaker, ils avaient mis une centrale nucléaire dedans quoi, pour fournir l'énergie. Et puis, mais bon, bon, tout le cockpit était, était en plomb. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah écoutez, c'était bien. Bah ouais, on a bien fait le tour là. Voilà, on a fait... On a vu le fonctionnement des réacteurs, quoi. Avant, pendant, dedans, voilà. Et après. Donc là, on a fait le tour. Ok, super. Ben, Cédric, merci beaucoup en tout et cas. De... On va parler d'avenir et tout, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. On a fait le... Donc, la boucle est bouclée. Arrêtez de dire que l'aviation, ça pollue. On est en train d'étudier. Ah bah oui, donc d'ailleurs, ça, c'est aussi une preuve. Hein, hein. C'est aussi on n'est pas preuve là en que... train, tout de suite, là, oui, les riches, ils volent, là, ils non, polluent puis, l'atmosphère. Ça ne se développe pas comme ça, on l'a bien c'est vu, bon. C'est quand même des technologies qui sont poussées, on ne peut pas, en claquant des doigts, dire, bah ça y est, on a trouvé un truc. Bah, ça, oui. Ça prend du temps. Bah oui. Ouais, tout à fait, et puis après, tout est comparable aussi, parce que si on compare au ferroviaire, il y a aussi des développements qui sont en cours de systèmes futuristes, de trains en lévitation par champ électromagnétique, ce genre de trucs-là, hein, voilà, qui sont ouais. Au Japon, d'ailleurs, certaines études sont en train d'être faites au Japon, sur des trains qui dans des tubes électromagnétiques en lévitation. Hein. Donc on est vraiment même chose sur la haute technologie, voilà. Mais ça ne va pas arriver demain en France. Hein. Voilà, ouais, donc, c'est ça. Les écolos, ça quitte pas, la téléportation, on va c'est... y arriver petit à petit. Ouais. T'as vu la mouche, toi, comme film. Non, non, ok. Ça marche. Bon, bah écoute, Cédric, en tout cas, merci beaucoup pour cet exposé. On l'avait déjà vécu, c'est bah, sympa de revenir dessus. Ouais, ouais. Parce que du coup, on l'a pas abordé exactement de la même manière que l'autre fois, alors que c'est le même exposé. C'est ouais. Ça qui est quand même fabuleux. C'est qu'on l'a abordé d'une autre manière, il y a eu d'autres questions et d'autres réactions, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je pense qu'on peut, on peut applaudir Cédric quand même. Hein. Oui. Voilà. C'est fait. N'hésitez pas à applaudir Cédric dans le chat. Ils sont là, sur la tribune, là, juste devant. Là. Ouais, voilà. Merci Cédric. Voilà, il y a le chat qui te remercie. Et merci bien à vous. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour. Donc déjà, ce qu'on va faire, hop, je vais revenir ici. On va enlever, hop, l'écran. On va retrouver Cédric. Comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà, il est ici. Une ovation. Merci beaucoup pour cet exposé. Voilà, donc voilà, les gens t'applaudissent. Tout le monde est bien content. Ouais, bah, merci. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, quoi, grâce à Cédric. Hein. Ouais. J'espère que ça vous a éclairé. Bah, on apprend toujours des choses avec Cédric. Hein. On remarquera. Hein. Alors, j'ai vu une remarque là dans le chat. Donc le clic clic, c'est rassurant. Par contre, si c'est glong glong, apparemment c'est une clé qui a été oubliée. Hein, donc, ah. Alors. Oui, Clong Clong. Oui, je ne sais plus qui c'est qui a mis ça, c'est bémol. Ou... Oui, c'est ça. ok. Alors attendez, moi, je voulais revenir ici, voilà, en enlevant ça, et je voulais vous faire réapparaître le programme, parce qu'on va parler dans un instant du programme de la zone aéro à venir. Hop, ça doit être ici. Voilà. Donc, le programme. On retrouve Cédric tout de suite pour se dire au revoir. Hein. Bah voilà. Alors, le programme de la zone à venir. On va commencer par mercredi prochain, le 4 octobre. Ça sera 20h30 et on aura un invité en visio, puisque nous allons rentrer au cœur de ce que vous voyez sur la photo, c'est-à-dire le cœur des opérations aériennes. Et nous aurons la chance d'avoir Christophe qui sera avec nous, qui est un ancien contrôleur en opérations aériennes. Donc, vous savez, les contrôleurs, c'est ceux qui... récupère entre guillemets les chasseurs puis qu'il les envoie là où il y a besoin si jamais il y a besoin d'intervenir. Donc d'accord. On parlera de sa carrière, de sa passion pour l'aéronautique, comment il en est venu au métier de contrôleur et puis en quoi ça consiste. Vous pourrez lui poser des questions, il sera avec nous en visio la semaine prochaine à 20h30 dans la zone aéro. Et c'est eux qui disent attention, il y a un ennemi dans les 6h. C'est ça. D'accord. C'est un peu ça. Donc Christophe, c'est la semaine prochaine à 20h30. Ensuite, on se projette un peu plus loin. Ah ben voilà, c'est peut-être quelqu'un que tu connais, mon cher Cédric, puisque nous allons retrouver Mickey, notre ami Mickey, qui est un ancien pilote de chasse. Et pareil, on va décrypter un petit peu sa carrière, puisqu'aujourd'hui, il travaille aussi en ATO, donc en école de pilotage, et il s'occupe plus spécialement de l'organisation des formations théoriques du pilote de ligne. Donc, on parlera un petit peu de comment on arrive de pilote à ce qu'on fait aujourd'hui. On peut dire que c'est le code de la route de l'aviation. Ouais, c'est un peu ça. On passe le code de la route, puis la conduite. Là, on passe la TPL
et on apprend à piloter. Exactement. Donc, si vous avez des questions à poser, ben, vous pourrez lui poser à notre ami Mickaël Mérien, Mickey. Ce sera donc le 11 octobre prochain à 20h30 et on l'aura aussi en visio. Ensuite, on a un rendez-vous avec un vulgarisateur scientifique spatial, les amis. Vous le connaissez peut-être, Vincent Heidelberg, qui est connu sur Twitch et sur YouTube par sa chaîne Stardust. On a réussi à caler il y a quelques mois un créneau ensemble et c'est donc le 18 prochain, 20h30, en visio avec Vincent. Et on parlera de son travail, son excellent travail d'ailleurs, sur tout plein de sujets, dont un sujet qui me tient à cœur, c'était le SR-71 Blackbird qu'il avait mené d'une manière un peu historique, c'est assez sympa. Donc rendez-vous avec Vincent de Stardust le 18 octobre prochain à 20h30. Ah, justement, en parlant du SR-71, je voulais demander à Cédric le fonctionnement d'un statoréacteur. On revient juste après dessus, on termine le programme. Enfin, vite fait, après, on peut faire un sujet exprès. Hein, pourquoi pas, faut voir. J'ai oublié de poser la question. Le 25, voilà, on a mis un avion rouge, une ligne un petit peu particulière qui est celle du Piaggio P180 et elle sera avec nous en studio, Elisabeth Christensen qui est directrice adjointe de la compagnie Oyonnax, exact, qui était au Bourget et qui viendra nous parler à la fois de la compagnie, à la fois de son métier puisqu'il s'agit d'assistance aérienne à la personne, on peut le dire, hein. c'est de l'évacuation sanitaire, c'est du transport d'organes, c'est un peu ça, qui était très actif pendant la crise du Covid d'ailleurs, on les a vus voler. Bien, parce qu'il faut aller vite hein, parfois. Ouais, et qui nous parlera justement de la compagnie Oyonnax et aussi de, des caractéristiques du métier et de cet avion qui est le Piaggio P180. Voilà, donc vous avez vu. C'est un métier particulier, le transport de malades, blessés, tout ça en avion, c'est un métier particulier. C'est exactement ça. Voilà donc pour le programme du mois d'octobre, et on en a encore à venir au mois de novembre. Est-ce que le programme vous convient, les amis? On espère que oui, parce que pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Enfin, on en a d'autres, mais après, mais là, en l'occurrence... Voilà, donc, hop, on va retrouver Cédric, voilà. La question sur les statoréacteurs. Ouais, statoréacteurs, Cédric, vite fait. Voilà, attendez, on va le retrouver. 4, 2, 1. Voilà. Ouais. C'est bon, Cédric, tu nous entends? Vous m'entendez? Ouais, bon, on s'entend? Ça a été revenu. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, Nico, le statoréacteur, de base, ça reste le même principe. C'est je comprime de l'air. Du coup, je le brûle, je l'accélère et ça pousse vers l'avant. Si je vulgarise, c'est pareil. Néanmoins, il y a quand même une certaine différence sur les statoréacteurs. C'est parce que pour l'instant, jusqu'à présent, sur tout ce qui est réacteur qu'on a vu, la vitesse de l'air qui rentre, elle est inférieure au Mach. Sur les statoréacteurs, on est sur une vitesse de l'air qui rentre dans la chambre de combustion supérieure au Mach. Ouais. D'accord. Donc là, ça engendre des systèmes de construction qui sont un peu différents. En fonctionnement interne. Donc après, ça pourra faire l'objet éventuellement d'un petit préfixe si vous le souhaitez. Mais le principe de base reste le même. C'est juste le D'accord. fonctionnement et la géométrie interne qui est un peu différente. C'est un réacteur vide, sans turbine, ouais, souvent, sans compresseur. C'est ça. Parce qu'à ces vitesses-là, la partie compresseur avec les obs qui tournent ne sert plus à rien. Mmh. Au contraire, sont plus génératrices de problèmes qu'autre chose. Donc en fait, on utilise vraiment basiquement l'effet Venturi où en fait en rétrécissant la section on accélère l'air et dès que l'air passe le mur du son du coup le système est inversé, donc pour continuer à l'accélérer on a un système divergent et ensuite on a une chambre de combustion spéciale qui permet de pouvoir cramer des gaz qui arrivent à plus de Mach 1. De toute façon pour ce genre d'engin il faut un autre moteur pour initier vitesse quoi. Il faut une vitesse initiale minimale. Ouais. Tout à fait. Ok. C'est une très bonne question, Nico, puisque alors il y a statoréacteur, pulso-réacteur, hein, mais par exemple les missiles fonctionnent sur ce principe-là. D'accord. Ok. On a oublié de mettre le. Attends. Ouais, la foire aux questions remises de gaz. Donc on va lancer tout de suite le jingle foire aux questions remises de gaz et puis on terminera avec Cédric et puis les petites infos sur le stream. À tout de suite. «
Un nouveau jingle. C'est moi qui jouais la guitare. C'est toi qui jouais la guitare. Alors, donc on a parlé de ça, des statoréacteurs, des pulsoréacteurs. Ouais, donc voilà, ça fait partie de la remise de gaz. Et une question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on retrouve Cédric dans la zone aéro ? Ah ben, quand vous voulez. Voilà, non, mais c'est vrai, à chaque fois, il est bien reçu, Cédric. Tu peux faire un petit sujet, effectivement, sur le stato, un peu historique, tu vois, les avions Le Duc, tout ça, ce serait intéressant. Enfin, je ne sais pas si tu as envie, après. Ah ben, bien sûr. Comme je sais que tu es connaisseur et que tu es voilà, efficace... ça m'intéresse de prendre des trucs. Hein. Ah, écoutez, là, passer la pommade. Mais non, mais c'est vrai. Attends. Non, mais c'est vrai. Il faut rendre à César ce qu'il dit toi-même. Non, mais oui. Non, mais à un moment, il faut dire si les gens ils sont bien ou pas. Ben oui, il est bien. Voilà. Évidemment qu'il est bien. En plus, il fait du sport. Et d'ailleurs, il est bien parce qu'il est sportif. Et le chat, est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour que Cédric, en fait, qu'il vienne là aussi une fois ? Parce que là, on voit qu'en visio, mais un de ces jours, il faudrait quand même qu'il vienne ici. Dans la zone. T'as entendu le boulot qu'il fait là ? Il est à droite, à gauche, dans le monde. Hein. Ça se trouve là, il nous appelle de Singapour. Là. Mais on a tous nos contraintes. Non, non, je suis en France. Mais bien sûr, promis, je viendrai. Ça. Ah, et ben voilà. Et ben écoute, on t'attend de pied ferme au bar de la zone aéro. Parfait. Le programme, on en a parlé. Les replays, ben, comme d'habitude, cette émission va être en replay dans quelques instants sur la chaîne Twitch. Et elle sera dans 15 jours sur la chaîne YouTube. Il y a Julo également qui fait un bon boulot sur les podcasts, puisque toutes les émissions sont accessibles en podcast. Rejoignez en masse les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Il y a des comptes un petit peu partout, donc n'hésitez pas à relayer aussi les publications de la zone aéro pour qu'on soit encore plus connus, parce que c'est aussi ça l'objectif. TF1, tout. Ouais. Mais merci tout le monde. Merci Jordan pour le lien des podcasts qui s'affichent dans le chat, pour YouTube également, le Discord également de la zone aéro qui est accessible si vous avez des questions, des suggestions, des idées de sujets. Mmh. Et ben n'hésitez pas à le faire. Pour le raid, dites-nous à votre avis qui est-ce qu'on pourra aller voir pour le raid. Je vous laisse proposer. Sachant que on a Romain du Flot de l'Histoire qui est un podcasteur qui fait un stream à l'heure actuelle sur la fabuleuse histoire de la cité légendaire Al-Andalus. Ça peut être pas mal. On pourrait rejoindre Romain du Flot d'Histoire, qui est un streamer de chez Poxcience. Est-ce que ça vous dit ou pas ? Dites-nous dans le chat ce qui vous intéresse. Et comme ça, on bascule sur la chaîne qui vous intéresse. Dites-nous. Ouais, pourquoi pas, nous dit Fabien. Why not ? Ok, donc Romain, le Flot de l'Histoire, on va basculer chez lui dans un instant. Restez avec nous, donc restez bien connectés le temps du générique de fin. On remercie d'ailleurs CTG, encore merci Cédric et la team de la zone. Merci à toi, Jérémy, d'être resté. J'en suis toujours à la pub. Ah bon, on va attendre que Julo revienne de la pub. On l'a dit, la semaine prochaine, on retrouve Christophe, 20h30, pour parler opérations aériennes. Le générique, je voulais remercier Imperial Road, qui est un groupe du côté de Thonon-les-Bains, un groupe français, nous a envoyé son dernier morceau qui nous sert de générique de fin. Voilà, merci à Julien d'Imperial Road. Donc ce sera le nouveau générique de fin de la zone aéro jusqu'à nouvel ordre. Donc je vous laisse découvrir ça dans un instant. Restez avec nous le temps du raid et comme ça on bascule directement sur Romain le Flot d'Histoire, streamer de chez Poxcience. Merci Cédric. Merci Cédric. Merci à vous. Rendez-vous la prochaine fois. Ciao. À très vite. Salut à toutes et tous et portez-vous bien. Et fly safe. À la semaine prochaine. Bye bye.